Zani, 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 zani. Misigi, 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 misigi. Je n'ai aucun droit sur toutes les musiques qui vont se jouer dans ces directs. Voilà. Misigi, je dis, vous faites ça. Ok? Vous n'allez pas misérer les gens. Vous êtes une macamina. C'est comme ça. Ouais. Vous voulez jouer au lieu la berlue. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas quatre yeux. Ouais. Zani, 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 zani. Qui vont se jouer? Yen ben. Lorette Avon, big up, big up. Big up, big up. Bon week-end. Zani. Mes gens, sachez que l'église est musellée. L'église est musellée. Pour me camina. Voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça là. Voilà. On dit que je suis jaloux. Afam, big up, big up, big up. Big up, big up, big up. Voilà. Afam, partager le direct. Voilà. Contaminé, 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 contaminé. La joie d'ici là se contamine. Ok? Ici, hein? Vaut mieux venir en deux chevaux et rentrer en Ferrari avec le sourire aux lèvres, le sourire guéri. Ok? On en a marre. Voilà des vieillis. Ok? Des vieillis. Il faut que ça se termine. Si nous voulons avancer, voilà, commençons d'abord hein, à se mirer. Ça veut dire, parce que parmi nous, lorsque nous prenons les maisons, les premiers objets, c'est le miroir qu'on baille. Mais est-ce que parmi nous, il y en a qui se mirent alors, avant de venir, ou alors, qui se font d'abord leur autocritique, d'abord eux-mêmes, avant de venir là, yougou, yougou. Moi, je vous ai dit, mais ne me barbidou, frampons tout le monde. Tout le monde. Moi, je sais que, à part dire que j'ai des dents sales, mes dents sont ceci, vous m'envoyez chez le dentiste. Si on cherche même à savoir ce que mes dents la mâchent, vous ne pouvez pas. Mes dents la mâchent, les queues de bœuf, et bihis, me quoi, bihis, au calme. Ça veut dire, la viande avait os. Hein? Je écrase ça avec mes dents là. Vous voyez, mes dents ont même le chanfrein, là. Le chanfrein. Il dit très bien, vous qui avez des dents blanches, vous qui avez des dents sans carie, vous qui avez des dents, écoutez-moi très bien, les dents du pasteur supérieur, si nous cherchons même, hein, frampons, les viandes avec os, tout, ok? Sans souffrir. Ok? Vos petits culs de Facebook là, la manipulation, hein? Nous sommes là, nous dénonçons, on vous dit des vérités, mais vous venez demander aux gens, voilà, de présenter les dessous en mondo vision. Ne croyez pas que tout le monde est bête, hein, comme vous, ok? Si vous voulez tenir quelqu'un, parce que vous lui avez demandé de présenter 5 dessous, il ne l'a pas fait, ok? Sachez une chose, il vous gagne en intelligence et... Oh, oui, oui. Et je ne comprends pas vous, là, vous connaissez très bien. Si, Boulet. Boulet, le compte, regardez très bien. Depuis un moment, là, quand j'ai commencé à vous dire, je ne vous vois pas. Est-ce que c'est moi encore qui peux faire un direct? Je ne sais pas si c'est combien d'heures avec 25 commentaires. Hein? Avec 25 commentaires. Vous les voyez tous là, sur la toile. Beaucoup sont des ennemis de l'église. Ouais. Des ennemis. Des ennemis. Moi, quand je sors, quand je m'attaque, laissons même les framponnements que, voilà, je prends quelqu'un, voilà, je me mets à framponner comme ça là. Hein? Je me mets à framponner comme ça là. Disons-nous, Amé Kamer et moi,
N'est-ce pas? Voilà. Si on vous pose même la question, avec tout ce que nous démontrons, qui est plus crédible que l'autre, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Ce que Ahmed Kamer vous montre au pays là, c'est moi depuis la diaspora. Hein? Ça dit encourager, motiver, valganiser. Et dit oui, tout chemin peut mener à Rome. Hein? C'est pas moi. Les commissaires Zogo, nous étions au pays là-bas là. Hein? Pour moi, pour que je puisse parler avec le commissaire Zogo au pays, il fallait raquer les murs. Il fallait aussi avoir des numéros. Mais ici, ce monsieur-là a pris ce temps-là dans son bureau. Le chalet de fait comme de Komamou, de Komamou demande. J'ai fait. Parce que je continue à vous dire, quand vous dites que la visibilité, avoir la visibilité, vous ne nous ravissez pas la vedette. Il y a des vraies personnes, des personnes réfléchies qui regardent, mais qui ne sont pas dans vos clans là. Voilà. Ok? Moi, j'ai une bonne visibilité. Je vais vous dire pourquoi. Quand je fais un direct, je vais à mes réactions. Qu'est-ce que je constate? Les membres de mon église, ok, voilà. Mais quand vous voyez Ahmed Kamer s'est sorti, allez regarder. Si ce sont ses abonnés qui lèquent, qui mettent les cœurs, allez regarder. Bah, je contrôle tout, je suis intelligent. Je vous ai déjà dit, les pieds-ci m'avaient trompé. Si j'avais continué l'école, c'est que moi-même, j'ai tout un tas de papiers là dans les chemises. Mais je n'allais pas faire comme vous. Voilà. Si je me retrouve avec des papiers là classiques, hein, et que ça ne donne pas, je me retrouve ici en Bengue. Au lieu d'intégrer les mouvements pour dire que tel doit partir. Voilà. Parce que j'ai des diplômes et je n'arrive pas à avoir du boulot. Est-ce que vous comprenez? Non, 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 non. Je suis intelligent. Mon école primaire, c'était là où il y avait les maîtres, quand vous voyez les monsieur Batikara, les madame Delphine, les monsieur Lucien, c'est-à-dire monsieur Onana, et tout ce qu'il y avait, hein, pour que nous puissions prendre nos CPE, voilà, qui framponnent, hein, pour que vous, parmi vous, vous avez tout un tas de papiers là, mais en orthographe, minibi, l'hologrammaire, beaucoup, vous êtes comme ça. Voilà. Moi, je vais vous dire, Dougoutiri, tu ne peux pas parler sur le plan vestimentaire avec de Komamou. Moi, je te dis ça, Oha. Laissons les histoires de Facebook, je te dis ça, Oha. En termes de dessous, tu ne peux pas. Toi, tu présentes les H&M. Frère, je ne dis pas que c'est mauvais. Tu comprends? Mais H&M, tu m'as déjà vu avec un dessous H&M? Hein? Est-ce que tu m'as déjà vu? Hein? Quand tu me vois, quand je m'habille là, même en voyou là, hein? Est-ce que c'est la même chose? Parfois, mon jean baille, tu te complais la carte. Est-ce que tu comprends un peu? Arrête de dire que hein, tu ne prononces plus le nom. Mais non, c'est de Komamou. Les gens savent que c'est, tu t'adresses à de Komamou. Mais comme il t'a mis aux côtelettes, hein, tu fais. Non! Quand on dit, on ne fait même pas allusion, ok? Voilà, tu ne fais même pas allusion, même sans prononcer le nom. Mais tu dis que les gens, tu dépasses les gens, tu ne dépasses personne avec Kamer. Je continue à te dire, tes trucs là, tes fermes là, tu comprends? Tes fermes là, il n'y a rien qui nous démontre que oui, tu es celui là. Tu comprends non? Qui peut avoir, hein, des économies de 500 000. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu sais pourquoi? À l'intérieur de tes poulaillers, nous comptons. Nous sommes capables, à travers nos écrans, de dire combien de poulets existent dans ton poulailler. Par contre, quelqu'un qui a une ferme, nous ne pouvons pas. Les poulets sont serrés. Il faut que Ahmed Kamer, les femmes viennent dire là que oui, hein, en t'écoutant, oui, j'ai fait 10 états. En t'écoutant, j'ai commencé à élever les poissons. Hein, en t'écoutant, tu dis, oh yeah, vous voyez non, on voit quoi? Je t'ai déjà dit, frère,
tu es comme, je n'ai pas encore dit, s'il faut encore te donner cette crédibilité-là, moi, je te considère peut-être comme un maître, je ne sais pas, professeur, qui vulgarise, qui motive. Hein? Voilà, ce n'est pas. Ça veut dire, ton truc là, tes poulaillers là, et tes trucs, hein? C'est tout juste pour faire, pour amener les élèves. Tu comprends donc que bon, voilà. Est-ce que tu comprends un peu? Il ne sait pas, je ne suis pas allé loin pour tellement argumenter, mais c'est le français là. Nous avons aboyé ça au quartier. Donc ça veut dire, les gens qui appellent te disent merci parce que grâce à toi, et ils sont allés faire en vrai. Voilà, pour devenir riche. Mais toi, c'est comme une mascotte. Ça dit, tu présentes ça aux gens. Voilà, et dis, je suis. Tu n'es rien, mon frère. Tu n'es rien du tout. Tu sais, avec les gros chiffres, toi, moi, à ta place, avec les gros chiffres que tu annonces tous les jours, parfois, tu n'es même pas cohérent. Tu comprends? Tu t'embrouilles, tu deviens, tu comprends? Moi, j'allais faire quoi? J'allais d'abord commencer par le matériel. Tu comprends? Le matériel. Parce que pour investir les 290 millions sans matériel, alors qu'on a des champs, on a des poulaillers, on a des porcheries. Allez, ma porcherie. Ah, femme, c'est moi qui t'avais dit pourquoi tu n'avais pas fait l'élevage des porcs. Parce que, hein, voilà, les porcs, attends, hein. Tu m'avais dit que c'est pas bon, c'est trop de travail. Ok? Je veux aussi. J'ai fait une petite remarque. Quand j'ai dit que tu ravis la vedette aux gens que tu allais trouver au village là-bas, là. Voilà. Pour nous dire, pour nous démontrer que oui, c'est toi. Que ce soit les femmes avec la coopérative, si c'est la coopérative, c'est quoi là, qui font le savon dans les villages. Tu nous as présenté que c'est toi qui apprends aux femmes à faire du savon. Alors que tu étais ici, tu raquais tes murs ici en Bengue. Les femmes là faisaient le savon. Donc, c'est pour te dire. Je continue à dire. Ce n'est même plus au niveau du psychologue. Ouais, mais quand même, je ne te manque pas. S'il te plaît, va te mirer. Je sais que tu es fragile. Faut seulement voir la photo que j'ai publie souvent. Bientôt tu vas redevenir comme ça. Tu vois la photo là, là où, voilà, tu es noir comme le fusil là. Tu avais perdu du poids. Guylaine Chapuis t'a sauvé. Fallait voir quand tu étais arrivé, parce que quand une maladie arrive sur toi, c'est toujours costaud. Tu avais des champignons sur la tête. La moisissure, un riche hein, qui est descendu avec les milliards au pays. Parce que tu vas nous dire, là, ce que tu as fait ici en Bengue pour avoir des millions et aller investir, pour qu'on puisse te trouver crédible. Hein? Voilà, il faut avoir quand même les, je sais pas, hein, des arguments, je sais pas. Et être cohérent. Ce n'est pas aujourd'hui, j'ai acheté ça à 15 000, demain, 25 000. Et après demain, on rebelote. Hein? C'est un autre prix. Tu ne vois pas que frère, j'ai fait un bon travail. Ok? C'est du bon boulot. C'est comme tu vois avec le caïman. Elle vous a présenté la maison. Moi, je n'avais jamais vu ça comme ça. Ça veut dire, j'ai fait du bon boulot. Maintenant, elle a tué les deux asticots qui faisaient toujours la course en diagonale à la cuisine. J'ai vu là, elle a nettoyé. Voilà. Elle est maintenant prête. Voilà. Dès que quelqu'un dit que ça vient, même si c'était couché dans son lit là, le canapé là, elle va aller nettoyer pour que la personne vienne. Et je vous dis, la veuve joyeuse confond souvent les bombes de toilettes et les bombes de salle. Voilà, c'est pour ça, quand les, surtout les gars, quand ça entrait là-bas, là, les narines sifflaient. Voilà, hein? Elle venait attraper le rhume chez Warius, ça rentrait chez leur mari. J'ai le chocolat avec les narines, voilà, sans oublier. Hein? Donc, Dougoutiri, tu dis que tu es le boss, la visibilité. Déjà, Fleur de Lille a dit qu'on ne prononce plus ce nom-là sur sa page.
Fais-nous des sorties sur ça. Tu ne sors pas. Tu esquives. Parce que toi, Anouma, monsieur le rythmeur, ça veut dire, à mes camères, tu manques comme un serpent et tu as dit l'état d'esprit d'un bon rythmeur. Tu es celui-là que quand tes camarades de classe, Batenias, voilà leur copine, voilà, ça t'est laissé au bar avec le Fanta. Pardon, pas camarade de classe, oui, les filles, tes copines filles, que tu y as, tu disais que tu y as mot, parce que hein, tu es comme ça depuis. Ce que nous avons vu avec Modestine, la même chose avec Fleur de Lille. Tandis que dans ces trucs là-bas, là, elle dit que ne me prononcez plus le nom là ici. On est toujours reine-cœur. Vous savez, s'il te plaît, va te mirer. J'espère que dans ta salle de bain là, là où tu caches au sol là, à nos wama, tu comprends, il y a un miroir. Mire-toi, regarde un peu tes parties ici. Regarde tes yeux. Tu as déjà des yeux blancs. À nos wama, à femme, s'il te plaît, à mes camères. Dougoutigui, j'ai partagé, publié Dougoutigui Ivoirien. Maintenant, il est là dans Jésus. C'est-à-dire, il attend encore. Oui, tu seras comme ça. Nous sommes en train de tout ressortir. Tout, je dis tout, tes petits mensonges. On essaie de faire comprendre aux gens que, mais comment aujourd'hui, il a dit 290 millions, même pas un matériel. Le seul matériel, c'est la matière. Déjà, C'est ton nom phare, la machette. La machette. Tu te rends compte, Amé, tu te ridiculises. Je t'ai dit depuis que Mafou était venu dire à Modnier pour rien. Je t'avais dit au Calga, là où tu vas, là, tu vas dire, regarde ton contrax, Amé Kamer. Guylaine Chapuis, viens à l'église. Ta personne vient dire que oui, tu es un mougou. Hein? Tu es un peureux. Et que tu n'as rien. Et qu'elle ne connaît pas l'existence des femmes de Kibi. Mais Jean, la façon que Guylaine Chapuis avait à Mekamé là, elle peut ignorer un business d'Amekamé comme ça là. Hein? Elle peut ignorer. Hein? Mato, big up. Est-ce qu'elle peut ignorer? Hein? Hein? L'existence de trois femmes de Dougoutigui. Dougoutigui, je te dis, écoute-moi très bien. Il y a tellement de preuves. Ouais. Guylaine Chapuis mène des combats depuis. Ouais. Depuis. Mène ces combats-là. Voilà. Elle te trahit depuis. Ça dit partout. Elle a dit à Nango que tu n'aimes pas les femmes pauvres. Tu n'aimes pas les femmes chistes. C'est pour ça que tu n'es pas avec celle-là. Que c'est pour ça que tu peux faire Modestine. C'est toujours argent. C'est quoi tes histoires là que tu as même combien d'hectares de terrain? Et où est ce canard? Les gens doivent déjà envoyer l'argent. Est-ce que c'est une, tu vas récupérer, hein, Anne, si c'est mes Madoff, tu veux récupérer l'argent qu'on va t'envoyer pour investir les planteurs là, pour rembourser, hein, ce compte de Camounois là pour Yebliman? C'est quoi? C'est quel état d'esprit tu veux nous ramener, Dougoutigui? Tu manques comme un serpent. Ouais, tu manques un comme un serpent. Ta visibilité là, c'est une fausse visibilité. Parce que toi, Abe Karimou, tu raques les murs. Tous les stangas là, tu pars raquer les murs. Tu pars raquer les murs. Ouais, tu raques les murs. Mon frère, 60% de la toile camerounaise, c'est-à-dire que tu mens. Et comme un serpent, tu es un menteur, tu es un voleur. Ok? Les sont même Zongzou et les Okenga alors. Ne me dis pas aussi que ce sont tes ennemis. Voilà, comme moi, comme on dit. Alors que c'est moi qui te soutenais ici. J'ai soutenu même ton mouvement. Que oui, tu es un exemple. Voilà, tu motives, tu vas gagner. Ce n'est pas que tu es riche, c'est parce que Mbenge t'a dépassé. Tu as sali Mbenge. Dis aux gens, qu'est-ce que tu fais avec les pièces d'identité de tes enfants au pays? Passeport, identité, acte. Dis aux gens, c'est pas normal. Ça veut dire, il y a marmaille quelque part. Tu comprends? Tu n'as rien. Il dit, Guylaine Chapuis a dit ici, je n'efface pas les directs. Tu n'as rien. Tu es un peureux.
tu es un poltron, tu es celui-là. Tu aboies sur Facebook comme un canisson mort. Et lorsque tu es face à quelqu'un, tu prends tes queues là, tu mets entre les jambes. Je te dis, regarde bien les commentaires. Même comme j'ai remarqué une chose. Amé Kamé, on dirait lui-même, il ne sait pas lire. Mais Jean, observe. Non, non. Dandu, Abdion dit, c'est elle qui écrivait les posts. Regardez Amé Kamé. Quand il lit un commentaire, c'est comme pas Kongoussa. C'est pas comme pas Kongoussa. Ouais. Regardez Amé Kamé. Quand il lit un commentaire, voilà, c'est même chose. Regardez Amé Kamé. Donc ça veut dire, Mboba là, il a du mal. Et c'est toi, tu dis que tu es ceci, tu es cela. Et c'est toujours toi qui es inquiété. On t'a ridiculisé, même si l'histoire s'est finie. Tu comprends, non? T'as pas au bec Mimbang. Tu as des grains de maïs entre les jambes. Est-ce que tu comprends? T'as rien du tout. Ah, rien. Rien. Amé Kamé, tu es ceci. Regarde, du matin au soir. Guylaine Chapuis a dit, quand tu quittes Amadoumba à 6h du matin, tu pars à Yaoundé et tu continues en bois de nuit. Et ton dessous là, de H&M, Ano Ouama, est-ce que c'est des petits cotons peignés qui absorbent, ne serait-ce que Idoudouk, Idoudouk, la sueur, hein? Parce qu'il y a les dessous là que, mais mon ami, si tu transpires, ça va Nyumba. Mais ils ont au bleu les petits cotons peignés, les petits trucs qui appellent, voilà, les petits cotons égyptiens qui absorbent la sueur. Oui, tu comprends, non? Ça dit, ça laisse toujours une petite douceur là. Tu comprends? Toi, tu viens me montrer les dessous H&M. Et H&M, ils ont de comment à boire un candy. Un candy, la femme, ça c'est une vérité. Un candy, quand toi tu vois d'abord de comment Mougou, ok, ce que je mets en caleçon, est-ce que tu comprends? Je mets les bateaux, est-ce que tu comprends? Marine, tu vas voir les dessous là, mais n'abe Calvin Cano, à mon niveau, hein, abe Pierre Cadeau, abe ça c'est une vérité, moi je te dis, je ne mets pas tes trucs là, ni tes textiles, tu coules à grosses gouttes du matin au soir en fuyot, ça c'est pour la sécurité ici. T'es même pas habillé comme un agriculteur. On va dire que oui, quelqu'un qui fait cela pour faire de ça, on ne sait pas. Rien. Regarde comment tu as Madumba. Tu as déjà démontré quoi? Pour qu'on puisse dire que oui, tu es crédible, tu es millionnaire. Les sous que tu nous pourrais. Hein, la personne qui me met un cœur, je dépose un million. Boum. La personne qui me met un cœur, je dépose un million. Boum. Tu as enchaîné des millions comme ça là. J'avais dit, c'est l'argent. Que l'Indolé Mignondo envoie à Oudria, à ceci, pour les inscriptions. Est-ce que tu comprends un peu? Pareil, Njansang, c'est comme ça. Donc, Amé Kamé, Ambengue, apparemment, tu étais agent commercial, tu sais combien d'années? Bah, bah là. Agent commercial, mais Jean, le gars ne fait qu'enfiler, c'est-à-dire les gros titres. Agent commercial, ingénieur, conducteur de travaux, s'il vous plaît, montre-moi là où tu as fait ça là. J'écris Facebook. Amé Kamé, là où tu transportais, c'est-à-dire tu déchargeais les gros camions là chez les Pakistanais à Brive, hein? C'était à quelle heure tu étais agent commercial? Hein? C'était à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Hein? L'heure qu'il fallait faire des plans avec la femme des palais. Hein? Pour retirer la femme des palais chez la mamie là, là où elle était en otage là-bas là, pour venir faire les passes dans ta chambre rouge. Tu étais commercial quand? Dans quoi? Amé Kamé. Avec tout ce que tu nous as donné, ton parcours là, on comptait les années. Donne-moi que nous. Hein? Là où? Est-ce que tu comprends un peu? Ongaba agent commercial, là où tu étais ingénieur, là où tu étais conducteur de travaux, parce que avant de partir au pays pour faire le challenge de Komamou, tu étais obligé d'aller tirer les fibres, des fibres dans des égouts, tu puyais dans des égouts. Est-ce que tu comprends un peu? Tu n'as jamais concrétisé ici en Bengue, avec tes titres que tu pars dans des chaînes de télévision. C'est ça,
Donc le travail que nous faisons ici, petit à petit, les gens, quand on va écouter, je vais demander à la femme de couper là où Guylaine intervient, là où Guylaine dit que non, tu mens, là où Guylaine dit que oui, c'est grâce à lui, là où Guylaine dit que c'est lui, c'est elle qui t'a toujours dépanné, là où Guylaine dit que oui, elle ignore les toits fermés de Kribi, là où Guylaine dit que oui, si le poulailler est vide, c'est parce que tu as vendu. Mais moi, j'ai posé la question à Guylaine Chapuis que mais, il faut une continuité. Hein? Tu ne vas pas faire que hein? tu achètes 10 poulets, tu finis d'élever. Hein? N'est-ce pas, on fait même souvent que hein, tu gênes non, mes gens. Quand tu sens que tu veux, c'est y'a au milieu, il manque peut-être, n'est-ce pas, tu ajoutes l'autre pour que. Mais Jean, ça doit suivre. Hein? Donc, voilà donc alors Dougoutiri, tandis que moi, il dit que depuis que Yebliman n'existait plus, même les poulaillers ont diminué. Les poulaillers, sans compter que Mafou, hein? La seule fois que la douane n'avait pas rôle Mafou, elle était remontée ici, au moins, avec 100 coxos fumés. Sans coxo, et personne ne peut dire le contraire. Les coxos là ont une valeur. Oui, Mafo a même gardé certains là pour manger à Noël. Parce que, les coxos ont pris l'avion alors que les cars passent devant de chez lui pour aller à Douala. C'est toujours les gros trucs. Hein? Vangez-vous pouvoir prendre. Tuer le cerveau hein, des personnes vulnérables, ça va venir au noir. Hein, vous qui voulez, venez dans mon e-box. Ce qui se passe en e-box, ce qui se passe en e-box, mes gens, les gens qui sont toujours là, que venez dans mon e-box quand ça propose, tu comprends, non, un truc. Vous savez ce qui se passe hein? Et vous ne savez pas que les Dougoutiri a mangé les sous des gens, peut-être que les gens là, hein, ne peuvent même pas venir dire un mot parce que sinon le chantage de ça. L'IMPC, big up, big up. Hein, regarde-toi même, Guylaine Chapuis elle-même. Hein, je ne comprends pas. Moi, j'ai demandé à Guylaine Chapuis que, mais Guylaine Chapuis, si Amer Kamer vient, il y a ce que tu dis là, que tu es mourou, hein, tu ne connais pas, voilà, que tu es un menteur. Ça, deux fois, elle est intervenue, elle a dit que tu es un menteur. Tu vois, on va encore dire quoi? Hein? Nous allons encore dire quoi? Ici, il y a des personnes réfléchies sur la toile. Ce n'est pas seulement des personnes qui vivent dans l'émotion, le suivisme. Non, 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 non. Ici, il y a des personnes qui viennent seulement regarder si le noir change, si le comportement du noir change. Oui, oui, oui. Moi, au moins, j'ai toujours dit la malédiction de l'homme noir. C'est ça. Voilà. Quand tu fais des choses, ce qui sort de là, ça peut te tuer et ça peut te sauver. Oui, oui. Ce que toi, tu fais là, à mer, ça va te tuer. Tu comprends? Parce que quand toutes les preuves seront réunies, quand les deux églises ici, auxquelles vont enchaîner des sorties, petit à petit, les gens vont venir. Et après, on va commencer à te suivre en caïman. Ça dit, pour que l'on essaie un peu de voir si tu es vraiment crédible. Et c'est là où tu vas aller là. Wow. C'est là où tu vas aller là. Parce que comme tu as le mot de Sombanak dans ta bouche à ce moment, alors que c'est toi qui vis ça. Hein? C'est toi qui vis ça. Hein? Regarde comment tu es déjà. L'enquêteur a remis tout mon argent. L'enquêteur a pris mon argent. Tu es bête. Alors que tu as vécu 50 ans ici en France. Hein? Donc ça veut dire même la loi française là, hein, tu ne maîtrises à rien. Rien. L'enquêteur est bon, il est gentil. Tu as même framponné les gens de la diaspora que pourquoi vous en voulez toujours aux policiers du pays. Hein? C'est des gars bien, ils travaillent bien. Ça, c'est des vibrations tempêtes du pape, du maréchal. Aïe. Ce sont mes vibrations tempêtes. Ils ont mené Moudbalata. Même quand j'ai joué au football, hein? Quand j'ai joué les postes défensifs là, mais mon ami, toi que je tiens, tu vas aller là. Mangabe glu. Ouais. Mangabe glu.
C'est pas ce que le caïman fait. Hein? Va voir papy de Longchamp. Hein? S'il te plaît, papy de Longchamp. Hein? Va voir ton type, non. Hein? Va lui dire de laisser comme ça. Hein? Voilà. Mais sur Facebook, vous voulez montrer que vous avez des mamelons. Hein? Et Mimbang, amen, amen. Il dit, je te dépasse, hora. Ok? Il dit, hora, hora. Ok? Je n'avais pas pensé, quand je me suis décidé que oui, je vais mettre un truc au sol, pour qu'on dise aussi que oui, j'étais en bingue. C'était des papins. Ok? Pas des planches blanches. Ok? Parce que tes trucs là, tu cohabites avec des charançons. Est-ce que tu comprends? Et des termites. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que tu as beaucoup de casques d'oreilles. Yaouk, tu cohabites avec tous des serpents, des mangoustes, des chats-tigres qui viennent même, qui entrent chez toi pour venir casser la télévision. Si tu, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Et je continue à te dire, si tu veux, je te donne, tu comprends, non? Le lieu, tu vas là-bas, là. Tu connais le boivement de Malox, non? Va donc là-bas, là. On va te dire, qui est de Komamuru? Est-ce que tu comprends un peu? Il dit, tu es zéro. Il dit zéro, zéro. Il connaît mes capacités. Yo, tandis que vous vous mentez, moi, je démontre. Je démontre. Je montre à mes followers qu'il ne faut pas qu'on vienne dire que oui, demain. Non, je montre. Ok? Les gens vont dire que de Komamugu, même quand il faut aller au mur, la carte de carte que je tue au mur, Amé, toi, tu n'as que des cartes de tabac. Tu n'as rien du tout. Tu as tout ce qui était comme, voilà, tu possédais les cartes de tabac, les wadou, si c'est les PCS là, des cartes de marmaille, des scroqueries, hein, des mendiants. C'est ça. Hein? Viens, tu montres, hein, 6 mois de contrat en continu avec tes trucs là, écrit Facebook. Vous ne me voyez plus sur Facebook. Ça, c'est un défi. Est-ce que tu comprends? Et c'est le même défi jusqu'à votre grand frère venir dire qu'il n'est pas banquier. J'ai tellement framponné que fais un selfie. Fais comme les nous. J'ai enchaîné, enchaîné, enchaîné. Jusqu'au jour où il est venu dire qu'il n'est pas banquier. On a compris tout de suite que oui, il était temps. Parce que Yébi Man était déjà en train de... hein? Vous êtes malade. Vous croyez que vous allez prendre la toile là? C'est pas plus la toile d'hier. Hein? Non, non, non. Non, non, non. C'est pas la toile d'hier. Ce que tu faisais avec du camel là, c'est terminé. Vos trucs que vous faisiez, c'est pour ça que moi je suis différent. Ok? Je suis différent. Ok? Moi je suis différent. Je ne suis pas celui qui regarde le bout de sa chaussure. Quand je suis avec toi, Balata, je suis avec toi, Balata. Et sans blague, beaucoup peuvent peut-être croire que non. Alors que je suis tellement sérieux. Je n'aime pas quand je vais avec mon cœur et on cherche à jouer au lieu de la berlue, à me continuer à me faire ça à l'envers. Ahmed Kamel, tu n'es rien. Tu parles de propriété. T'es tenu là. Est-ce que tu comprends un peu? Ça coule à grosse goutte. C'est du poulet serre. Moi, je porte des cotons. Yaouk, ma boîte de coton. Yaouk, voilà. C'est pas pareil. Je porte les bons dessous. Ok? Yaouk, ma boîte qui décrit de H&M. Les H&M, pour moi... c'est les trucs des petits bambins, les trucs. Voilà. Hein? Faustin Tala, big up, big up. Sabakata, big up, big up. On en a marre. Ou alors, si vous n'avez rien à dire, hein, rien à proposer aux gens, faites comme moi. Hein? Ayez un peu de l'humour, transmettez le sourire aux gens. Les gens souffrent tellement beaucoup, surtout vous. Hein? Vous avez marmaillé les gens. Les gens souffrent. Hein? Voilà. Au moins, si ces gens-là viennent ici, vont se calmer, vont retrouver le sourire et ils ne vont pas vous poursuivre. Ouais, ouais, peut-être. Hein? Hein? Vous avez quoi? Vous donnez quoi aux gens? Hein? Vous donnez quoi aux gens à part le mensonge, les ceci, les mimba? Vous donnez quoi? Moi, moins, il y en a qui viennent récupérer le sourire ici. Vous donnez quoi? Vous proposez quoi? Hein? Je t'ai déjà dit que reste dans ton coin que tu vas organiser les gens. Ok? Tu vas organiser les gens. Tu comprends? On est monsieur Sabitou. Dès que quelqu'un va venir intervenir, hein, j'ai fait dans l'élevage de poissons, tu es déjà là.
on découvre tout de suite que oui, tu connais des tactiques. Dès que quelqu'un va venir dire que oui, j'ai fait l'élevage de cobayes ou Toyala, hein, tu vas venir dire que tu sais. Hein, c'est comme ça. Hein, des âmes sensibles qui sont là, des personnes vulnérables, on croit que tu es un bon. Eh, allô, Baba. Hein? Eh, Dieu, qu'il en s'appuie, sa bakata, vous-même, est-ce que c'est nous qui disons, qu'il en s'appuie, sa personne, deux fois, et venir dire que c'est un menteur, c'est un peureux, c'est un mougou. Elle ne connaît pas l'existence des fermes de tribus. Hein? Moi, je lui dis, frère, prends ce que je te donne là. Hein? Moi, pour moi, hein? Tu serais témoin, viens faire des discours que bon, voilà. Hein? Je n'ai pas l'industrie, je n'ai rien. Ça m'a dépassé en bengue parce que je suis agrié, je ne peux plus travailler. Voilà, j'ai des problèmes avec des gars. Voilà, j'ai pris les sous d'un gars, j'ai mis enceinte, je leur ai demandé des sous pour aller reconnaître les enfants pour qu'ils aient des papiers. Hein? Voilà, si vous me voyez avec les actes de naissance de mes enfants ici et les pièces, c'est parce que leurs mères n'ont pas encore fini de payer. Tu ne peux pas venir dire ça. Hein? Et là, beaucoup de nos soeurs vont éviter des personnes comme toi. Ah oui, ça serait une sensibilisation, mes gens. Est-ce que je manque? Hein? Si quelqu'un, si moi je viens. Je viens, il commence à dire que, vous savez mes gens, j'étais voleur, j'étais ceci. Wow, 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 wow. Bon, maintenant, je suis devenu ça. Hein? Viens parler aux gens, dis aux gens que tu n'as rien. Tu as quoi? Est-ce qu'on te voit encore t'occuper des poussins le matin? Non. De tes coxos? Non. Tu fais quoi? Les gens que tu as montrés aujourd'hui, hein? Il y avait même tes aînés là-dedans. Est-ce que ce sont ces gens-là qu'on te voit tous ces jours-ci travailler avec? Ce n'est pas des enfants de 3 ans. Hein? Amen, amen. Tu dis que oui, les gens disent qu'on est jaloux de quoi? Moi, je mange du fromage. M'a dit ban de cornichons, ban de saucissons, de camembert, et qu'on sort. Toi, tu dis un milliardaire. Qui dit à Audio que milliardaire que hein, ne mangez pas bien, déjeuner le matin avec les billets de maïs et Anouama. Hein? Oui. Attendez, je mets le numéro parce que si je vous prends ici, hein, ça va diminuer le volume. Attendez, je mets le numéro. Voilà, on va déjà foutre ici. Parce que si je prends quelqu'un ici, ça parle jusqu'à la fin. Je mets le numéro parce qu'il est temps. Je ne sais pas s'il comprend même quand les gens viennent souvent appeler là-bas. Là. Voilà. Non, mais c'est une vérité, mes gens. Je peux venir. J'ai déjà dit, je me mets à vous mentir, n'est-ce pas, que c'est moi. J'ai commencé cette bouteille, je vous mens, n'est-ce pas. Les gens qui me suivent vont peut-être avoir le courage, vont aussi essayer de vouloir faire, hein, voilà, comme moi. Tu comprends, non? Mais peut-être que la personne ne sait pas que moi, je suis en train de mentir. J'ai toujours dit, prenez ces mensonges-là, rendez ça en vrai. Ça, amen, amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Hein? Hein? Johnny Weston, comment? Est-ce que vous avez déjà vu que ce soit au poulailler, que ce soit les champs que vous avez vus là, hein? Vous-même, regardez la distance entre... Résultons et regardez. Le gars gravit la vedette. Vous voyez le petit Mvondola. Regardez même le début. Quand il faisait ses pubs. Que il cultive ses champs, les bananes, macabo et tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Il faut suivre l'actualité.
Tout ce que vous voyez, la majorité des trucs, j'ai dit, à part ce que, avec ces gens de Yebliman, nous ont montré là, quand on voyait encore quand même des coxos, oui, hein, quand il y avait encore le tableau pour rendre les gens riches, vous comprenez donc, pourquoi depuis, on ne conjugue plus le tableau là pour rendre les gens riches, même les coqs, on ne voit plus comment ils s'occupent de le matin. Tous les bateaux, il était au poulailler. Noir comme le fusil avec les dents jaunes, comme moi, si comme ça là. Non, moi c'est noir. Hein? Amek Amek a quel feeling. On va dire que le mec a vécu en Bengue. Même un petit jean, il n'a pas un bon petit polo. Il n'en a pas rien. Ah, rien. Rien du tout. Hein? Rien du tout. Rien du tout. On se moque de quelqu'un. Hein? Mafou quitte ici, ça n'a pas donné une bouteille d'éclat de riche pour qu'il fasse quoi avec. Si ce n'est pas une moquerie, si ce n'est pas pour faire comprendre, hein, au moribond que voilà, ce que tu avais t'aimé. Hein? Non mais disons-nous des vérités. Pourquoi ça? Parce que vous croyez que Mafou est bête. Regardez ces jours-ci. Mafou, elle ne veut plus qu'on écrive Choukle. Ce n'est pas moi qui dis. Ça sort de sa bouche. Ouais. La honte de ça, le sel matériel d'une personne qui a investi autant de millions. Et Guylaine Chapuis est venu dire, l'autre jour, je ne le comprends plus. Guylaine dit que non, il a investi plus que ça. Mais l'autre jour, elle vient dire, il n'a rien. Mais Jean, il ment. Vous voyez? Oui, Club et toi. Il dit, c'est vous les femmes comme ça là. Hein? Nous voulons vous mettre quelque chose. On ne dit pas que nous sommes blancs parce qu'il y a affaire à faire. Tu comprends? Mais pas que tu dis que ou ne. Tu comprends non? Mais derrière, tu fais mal. C'est parce que Sheila a une position actuellement que moi, je respecte. Parce qu'il a voulu salir Sheila. Mais vous allez entendre hein, d'ici peu. C'est là où vous allez comprendre que elle au moins, voilà, elle avait tout compris. Sheila peut vous envoyer, vous connaissez Yad Ngaï, vous expliquer que vous allez peut-être voir dans une maison. Un jour, il ne dit rien. Sangawok. Tellement Sanga, Yamu, Lujo. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça donne la laisse. Le gars s'habitue avec ça. Voilà que c'est Langa qui donne. À un moment, ça va ticter. À la maison, Langa. Ça donne, hein, mais en framponnant. Tu vois, Lujo va. Bon, exemple, il va demander, donne-moi 10 000 civils ténières. Hein? Civils ténières va d'avoir fait le hold là. Hein? Va travailler de comme. Hein? Toi aussi, fais comme la femme. Hein? Fais comme du camin. Va travailler. Mais elle donne quand même. Vous comprenez, non? Il y a, c'est comme ça là. Vous connaissez, il y a souvent des bagarres dans la maison. Que Langa dit que non, va, ça commence à rot son dos. Tu comprends? Que va travailler, va faire comme tel. Va faire, va faire, va faire. Si tout seul est sur Facebook, ça y a sa femme que. Allez vous former, ça y a c'est de comme allez vous former. Hein? Mais mon ami, à la maison, hein? Les gars deviennent rebelles, ça commence à frampourer leur Joe. Hein? Sheila, si vous voulez des preuves tangibles, des preuves, ok, allez là-bas là. Parce que moi, quand on m'envoie les trucs, il n'y a que le courrier. Le long courrier, Guylaine Chapuis et Anango. Il faut voir. Vous allez comprendre tout de suite que le Joe, c'est l'argent, 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 l'argent. Il n'a jamais escroqué Sheila. Sheila, oui, vous connaissez Lenga, la nourriture, quand il se voit, c'est elle qui paie la nourriture. Ça, c'est rien. Voilà, comme Victor avec Billy, à un moment, les patriotes. Les patriotes. Tu peux pas, mec, quand même. Tu comprends? Tu ne peux pas.
au Siri. De comment Mougou, c'est un responsable, il a tellement de responsabilités et il a même tellement, il a eu la malchance même que oui, ses responsabilités sont éparpillées. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Et ça, ça me coûte encore, ça dit la peau du crâne. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Mais toi, tout ce que tu nous démontres, c'est, ça dit la pauvreté, cette pauvreté extrême-là. Hein? Tu n'as rien, rien, rien. Les mecs que tu montres en bouche là, c'est leur job. Ils sont en bouche. Je ne vous manque pas, mes gens. Hein? Ils sont là-bas. Là. Ce sont eux qui scient les planches. Ce sont eux qui scient les poteaux quand on vend en bouche. On vend dans les villes. C'est leur job. Et ils ont toujours les hangars. Ils ont toujours les hangars. Et tu comprends un peu. Il faut arrêter ça. Hein? Anouama, les plantations. Les plantations. Nous sommes là, non? Nous sommes là. Nous sommes là. Bien, voilà. Hein? Et c'est tous les vieux chouettes maintenant là de comment Mougou est jaloux, jaloux, jaloux de quoi? Hein? De comment Mougou mange ce que ça veut. Si vous voulez même, je vous frappe encore tout de suite. Hein? Je pars au Touquet, pac! Hein? Au calme, au Fouquet, c'est au Fouquet, ou bien au Cournoir. Hein? Jean, sans souffrir. Oui, sans souffrir. Si le vigile hein, dit que oui, je ne ressens pas aux gens qui ancrent là-bas là. Je sors ma carte B, dis que oui, j'ai l'argent là-dedans. Oui, même le vigile va voir la carte là. Hein? Hein? Ok. Vous croyez que... Hein? Hein? Tous les discours de Dougoutiri démontrent qu'il est radin. Lui, il fait que la soustraction. Ouais, la soustraction. Et c'est pas normal. Que les gens viennent dire qu'on est jaloux de lui. Jaloux de quoi? Dans le banditisme, hein, l'escroquerie, hein, ranger des femmes vulnérables, faire du chantage aux femmes, hein, faire des faux montages, hein, des fausses sorties. Hein, je ne peux pas répondre à Modestine, je ne peux pas faire ceci, mais ce que tu veux que tu privé, hein, ça sort, tu peux mettre que ça dehors. C'est Modestine aussi, n'importe quoi. Comment il est noir comme le fusil. Hein? Tu dis que hein? Tu es propre. Viens voir ce qu'on appelle éclat. Zayene Jomba, le éclat de riche. Hein? Nous ne sommes pas la même chose. Amek, tu as une sale peau. Une sale peau. Je te dis ça. Ouah. Tu as une sale peau. Regarde déjà même Idéa ici. Hein? C'est vraiment comme les billets de maïs que tu conseilles aux gens de déjeuner le matin. Tu demandes aux milliardaires. Hein, parce qu'il faut faire des économies. Ah non, madame, tu travailles pour quoi? Ouassier pour quoi? Amen, Kamer. Tu travailles pour quoi? Tu es un gros villageois. 40 ans en Bengue, sans rien profiter que des costumes de Barbès. Aïe, Barbès. Idiot de potence. Des costumes de Barbès. Marel Dion, big up, big up. Non, il ne faut pas écouter des menteurs. Il dit, prenez Dougoutiri. Ça veut dire, écoutez son mensonge et vous partez faire en vrai. S'il vous dit qu'il a 10 hectares de planteurs, que ça vous valganise, hein, ça vous motive, ok? Allez faire en vrai, ok? Lorsqu'il y aura récolte, c'est toi qui vas récolter, mais lui ne va rien récolter. Les Mvodo vont continuer à récolter leurs trucs. C'est un menteur. Même un juif va venir vous dire que c'est lui qui avait ramené les fusils de chasse en Mvodo. Vous allez y aller. Hein? Un mec, toute la semaine, des bottes en plastique au pied. Il nous avait dit qu'il avait acheté ça à Amazon. Non, vous-même, mes gens. Les chaussures que tu vas aller cligner dans la boue, à Madumba, partout, en plastique, Amazon, 650 euros. Les gens, on peut être menteur comme ça là. On peut être menteur comme ça là. Les gens, parmi vous, vous êtes des ouvriers, n'est-ce pas? Voilà. Les bottes en plastique qui portent là, 650 euros Amazon. On peut mentir comme ça. Vous ne voyez pas que, à main,
Je disais donc qu'il est temps qu'on sauve notre frère, ça ne va pas. Vous savez la bousa? Voilà. Il y en a qui bousa sans souffrir, sans aller en prison. Il se retrouve avec, parmi nous ici. Voilà. Mais en même temps, je ne sais pas s'il y a le niveau d'études là-bas là, au Cameroun, plus que les psychologues. Ouais. Je vous dis, mes gens, ça ne va pas. Hein. Parce que vous êtes là, vous rigolez. Vous rigolez. Il est en train de perdre du poids. Ça veut dire, ça dit, ces parties-ci sont ya devenus comme, voilà, les coques de l'escargot là. Voilà. Les yeux sont ya devenus tout blancs. Il est déjà ennemié. Vous ne voyez pas ça. Vous rigolez seulement. Vous partez seulement, vous moquez de lui. Ne vous moquez plus de lui, mes gens. N'écrivez plus les paroles de commentaires. Hein? Faites-lui des petits commentaires doux. Ouais, il s'ouvre. Ça ne va pas. Au fur et à mesure que les jours passent, les semaines, bientôt le mois, le procès avance. Parce que... le procès... vous êtes là. Hein? Vous ne voyez pas que... Hein? Il n'est plus sur Facebook comme vous connaissez là. Mais il est obligé de venir parce que sinon, vous allez seulement, il n'y a que l'homme là. Hein? L'homme là, il a Djogo. Parce que la dépression de ça, quand on croyait que, je ne veux pas conjuguer le cul de son là, quand on croyait qu'on est King Kong, King Kong, ça, il est composé de Ducamer, par exemple, ça c'est le cul de Ducamer, le président des blogueurs, King Kong. Voilà. Parce que Libre-Robertson avait dit, parce que toi, Nyandom, toi aussi, tu as beaucoup plus ça, tu utilises à ça. Hein? Quand on croit qu'on n'est pas en danger, c'est là qu'on est en danger. Ben là, je ne sais pas. Les gens sortent souvent leur concept. Vous utilisez ça à tort, à travers, même vous les veillez là. Hein? Vous les veillez là. Mais gens, je disais donc alors que je ne sais pas s'il y a ce niveau d'études là au Cameroun, plus haut que les psychologues. Il est temps de sauver le soldat Réan. Babala. De Boutigui. Nous deux, big up, big up, big up. Nous deux. Tu sais, nous les amoureux, il y a un Mboumji. Voilà, l'orgueil de ça. Voilà, il est temps qu'on sauve de Boutigui. Ça ne va plus de nous deux. Vous qui avez l'esprit de compréhension là, je ne sais pas, oui, allez un peu écouter ces directs, ça ne va plus. Ça ne va plus. De Goutier, il manque même déjà lui-même. Lui-même. Hein? On lui pose la question que ma mère, Kamer, tu as quel temps? Il dit qu'il y a qu'il est métisse. C'est-à-dire, les yeux sont, il est déjà anémié. Anémié. Ouais? C'est-à-dire, la femme dit souvent que les yeux sont déjà en crise, c'est dans les orbites, je ne sais pas comment il dit souvent. Les parties ici sont déjà devenues, oui, comme le devant de Camaraï. Mais Camaraï a recommencé. Allez là-bas, là. Hein? On appelle où? À la gare Yaoundé, là. Allez voir le devant, c'est-à-dire les culs de Camaraï. Mon ami, tes épaules sont déjà en train de ressortir, là, comme des petites macraques. Anouama, comme les pieds de la direction assistée. Vous connaissez les directions assistées, non? Quand tu tournes, allez un peu là-bas, là, vous allez voir le gars derrière les mbindis épaules, comme son petit singe là. à femme ayant pissé les ducamères. Attends, c'est Bibiane, il faut lui sauver Manyangouane, ça ne va pas. Il dit que le gars derrière les petites épaules, c'est déjà comme les ailes de pigeon. Ouais, Amekame, on peut finir comme ça là, pardon, va un peu se reposer. Je dis que, et comme tu portes un peu là, il faut voir ici, c'est pointu comme des flèches. Bébé là, on t'avait prévenu ici à l'église, non, ou Kaga, laisse un mot. Hein? C'est qu'il y a les pattes comme en forme de queue de rat, là, dit qu'il n'y est pour rien. Hein? À Capon, Jaguar et Bobby, Ndonga Kana, on est King Kong. Voilà donc alors. Mais mon ami King Kong qui a boit tout le monde là.
Un King Kong qui peut donner ses 800 000 au meilleur enquêteur. Le procès, à mes camarades, les jours sont en train de passer, les semaines au Calga, bientôt menotté. Tu crois que nous ne sommes pas ici en Bengue, là où on reçoit la boîte aux lettres? Non. Non. On vient te prendre sur place, on vient te cueillir. Tu crois qu'on peut cueillir les maris Christine Zombo, hein? Et toi, tu ne veux pas qu'on te cueille comme ça là? Ok. Hein? On peut venir manipuler la toile comme ça là. Tu veux qu'on te cueille comment? C'est tout le monde qui a les boîtes aux lettres au Cameroun. Ok. Hein? Mais mon ami là-bas, ça a terre. Mais gens à femme, hein? La honte de ça. Quand le gars était ici. Lui aussi, il demandait déjà les 2000 partages comme les Aya Robert, hein, comme les Peter, hein, comme les Leslie là, la crevette là. Hein, il conditionnait déjà les gens. Baba là, Wayena, Frédéric dit que plus de choucler sur son mur, sur sa page. Hein, au moins, si tu étais même la qualité, moi j'ai dit à Frédéric que. Si c'est vrai, était moi, en vrai, vos histoires avec Dougoutil, j'allais lever tes pattes là. J'avais accroché ça là-bas, là, tant pis si tu n'es pas sportive. Pourquoi est-ce que je vais venir jouer au cinéma là? Moi, quand je joue au cinéma là, je touche des têtes de gonichons jusqu'à ça tremble là-bas, là, sur elle. Le caïman passe ma suba avec la pierre qu'elle écrase le piment, comment, les condiments avec. Quand moi je frappe fort, je m'en fous du ridicule. Quand il faut, ça dit être crédible. Hein? Elle dit que, qu'on ne prononce plus ça. La communauté bamileke a déjà convaincu que nous, on ne veut même pas le game. Voilà. C'est ça. Ah ouais. Tu avais sorti la machette. Tu avais traité cette communauté-là. Ce peuple-là. Voilà. Et tu veux venir jouer la berlue pour des vues. Ah non, les abeilles ont déjà commencé à t'injecter, et à nos wama, hein, ton sang, hein, les, comment on appelle, il y a des mouches là, nous deux, il y a les mouches là qui tirent le sang au pied, Oussoun, hein, Oussoun, vous connaissez, il y a les mouches là au village, hein, ça suce le sang. Hein? Le gars est déjà animé, un millionnaire qui part vivre, ça dit, hein, en queue de termites, des charançons, des mangousses, hein, des chats-tigres, hein, pénètre pour venir casser la télévision à l'intérieur, là où il dort, tandis qu'il protège les coxos avec des toolbacks, minalmité. Tu vas lire là, les femmes là, hein, ne vont pas faire comme des vieilles chouettes qui sont sur ta page là-bas là. Il y a des femmes au moins, en attendant, trouver qui a tort ou raison. Ça prend d'abord partie, puis de leur soeur. Mais vous, hein, tellement vous avez des cœurs de poulet, vous aboyez comme des caniches derrière vos écrans de téléphone. Vous sortez des machettes. Hein, vous dites que, ah, moi, je veux te tabasser, je veux te faire ceci, hein, je veux te faire cela. Hein, et c'est toi qui viens pleurer. Hein, on a pris mes 600 000, mes 800 000. Non, on n'a rien pris. Tu avais dit que l'enquêteur est bon. Tu avais dit qu'il est bon. C'est là. Cameroun a fini déjà, pape. C'est là-bas. Hein? Vous croyez quoi? Hein? Ok, Bibala Mboum. Non, Mboum. Il faut que tu restes. Moi, je fais du bon boulot. Voilà. Je fais du bon boulot. Quand j'avais connu Surens, je suis arrivé là-bas, là, j'ai dit merde. Quelque part, l'écran de téléphone, si. Il ne vous manque pas. Observez la première danse assurance. Quand elle avait failli tomber, là. Quand elle avait failli tomber, quand je soutenais avec une main. Regardez, il y a son pied. Attendez, il vous manque ça. Son pied était venu s'agripper ici. Regardez. Voilà.
Son pied était venu s'agripper ici. Regarde, ici. Mais mon ami. Mais mon ami, il fallait voir. La nuit, je sens comment ça me fait mal. Hein? Je suis parti. Les écailles. Vous savez comment elle est bloquée. Les écailles, les ongles de ses pieds. Mais mon ami, ils m'ont griffé. Et je me suis dit que le mal là, c'est parce que je n'avais pas désinfecté. Ouais. Je n'avais pas désinfecté. Rémi Marcel, big up, big up. J'ai dit que si j'avais su, parce qu'on était dans le mouvement, est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Ça dit, le premier jour à suivre, même si c'est un serpent qui me mordait au pied, je n'allais pas sentir. Ça dit, le ngand était ndourou. Mais mon ami, à un moment, quand j'avais attrapé comme ça, là, elle avait fait un faux mouvement là. Hein? Vous savez très bien, je vous avais dit qu'elle profitait de moi, elle me foutait. Voilà, elle s'est masturbée, elle foutait sa foufoune là. Voilà, sur mon torse. Donc, elle s'est accrochée. Il dit qu'elle avait mis son pied comme ça là. Mais mon ami, je suis sur la côte de la nuit. Il dit qu'ici, me fait mal. Quand je m'en vais voir, j'ai compris que oui, c'est quand elle s'était bloquée pour ne pas tomber. Mais mon ami, c'est parce que je n'avais pas désinfecté. Ça m'avait fait mal. Fallait voir ses pieds. Les trébitoires. Vous connaissez le tapis là. Vous connaissez. Quand elle est sur le tapis là, tu ne peux pas gagner le caïman. Tu ne peux pas. Elle va gagner le combat. Parce que quand elle plantait, je ne sais pas si le tapis là, Manga Kana ou à quelle jette. Elle m'avait dit qu'elle est partie, mais que ça dort pour ailleurs, je ne sais pas. Moi, j'avais dit de jeter, pas dans un coup d'eau, hein, là où il y a des poissons. Ça dit, je ne sais pas où. Parce que sinon, le monde entier n'aura plus de poissons. Il te dit, Laurette avant, Ingabo Mintia, je n'avais pas senti à ce moment-là, parce que la période que je suis arrivé, je ne sais pas si ça faisait 30 ans, n'avait pas coupé ses ongles des orteils. Ce n'est pas pour rien, vous dire que non. Hein? Le taille-ongle, hein? La pression du taille-ongle ne peut plus supporter. Mais mon ami, c'était avec une hachette là. Hein? Allez demander aux femmes qui font pédicule là-bas, la château rouge, là, elles vont souvent. Mais elles souffrent. Ouais, elles souffrent. Moi, j'ai fait du bon boulot. Hein? Parce que, quand vous vous croyez peut-être qu'on la framponne, hein? On la déteste. Non. J'ai toujours dit, jusqu'à présent, les gens l'aiment. Je sais pourquoi je dis. Parce que des vrais warriors viennent m'appeler derrière, n'osent même plus la suivre, regardent aussi à la fenêtre. Les gens qui envoyaient des sous. Waouh! Ouais. Comme pour elle. Je ne sais pas si c'est une malédiction. Je ne sais pas. Les gens qui donnent les coups de main à Warus, c'est comme ça, ça finit toujours. Pourquoi? Pourquoi vous ne lui posez pas la question que, bon, attends, Anya, c'est toi qui pleures. Et en plus, c'est toi qui veux faire la grande vie. Voilà, les gros mouvements. Tu prends la drogue la plus chère, le départ. Tu travailles où? Tu travailles où? Si Warus ne veut pas vous montrer la personne, hein, si... Je faisais quelque chose avec Warouza. Mais mon ami, ce qu'elle m'a affiché que mon chocolat. Nous, même dès qu'elle finissait de gnasse avec moi, elle me laissait dans la chambre. Elle partait faire ses mètres de minuit là. Pour dire que oui, de comment Mougou Pina, de comment Mougou, que vous voyez là, méfiez-vous. Les voilà. Les voilà. Vous voyez, elle ne peut pas vous montrer. Et tant là-bas là, j'ai vu des personnes, mes gens. C'est-à-dire, moi comme moi, mais pour moi, ils me posaient la question, hein, ils sortent, parce que je ne sais pas, il y a combien de continents des Noirs, je ne sais pas. Fallait voir, babala, les dents noires, on dit que moi j'ai les dents noires. Hein? Non, 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 Marie-Louise, moi j'ai fait mon boulot. Tu avais vu, elle a commencé à dire maintenant, venez au Ganda. C'était propre, c'est dans ce sens-là. Là, j'y suis avec papy. Ils ont leur truc là-bas là. Hein? Et leur mongouli et lécher. C'est pas pareil. Moi, je travaille. Ouais. Elle a voulu me salir. Elle, Marie-Louise Baga,
tu connais, elle m'avait pas embêté toute la nuit pour que tu te bloques. Hein? Marie-Louise Mbaga. Hein? Tu ne vois pas que hein, j'étais obligé de faire une sortie pour dire que je ne te bloque pas. Hein? Mais j'ai choisi Warriors parce qu'elle me lâchait. Merde. Ok. Vous connaissez l'Angala? Est-ce que l'Angala s'est posé la question un jour que m'attend, est-ce que Dekoma Mougoua a même quelqu'un dans sa vie? Mais Jean, elle n'a jamais posé ça. Elle appelle quand elle veut. Et quand elle appelle d'abord normal. Après, elle vous vape, elle met la vidéo. Elle t'exige hein, que tu montres là où tu es. Tu es avec qui? Ok. Vous connaissez même... non. Marie-Louise Mbaga. Marie-Louise Mbaga. Il y a Karabona. Hein. Moi, je suis un enfant de quartier. C'est parce qu'elle est même dure même. Normalement, elle devait y changer depuis. Marie-Louise, tu ne peux pas écouter les paroles vos là où quelqu'un qui fait à manger parle du poison. Moi, je suis en train de travailler. Ok? Elle salit son ganda. Tous ces trucs-là, vous connaissez comment j'ai conseillé veuve. J'ai dit à la veuve que si tu fais comme ça, même quand elle a commencé à dire les grandes réalisations, c'était mes idées. Hein? J'avais dit, regarde, ici à Paris, beaucoup font, je ne sais pas, les trois boulots et tout ça, ils n'ont pas le temps. Ils sont célibataires pour mettre les gamelles au feu. Hein? Toi, ton poussi, c'est l'or. C'est l'or. Qu'est-ce que je n'ai pas fait à la veuve? Hein? Quand j'allais au Nganda là-bas, là, regardez l'Anga, la joie, depuis qu'elle n'est pas plus au Nganda. L'Anga a perdu, voilà, le sourire. Le visage est devenu comme Coquille Saint-Jacques. Hein? La nuque s'est aplatie parce que hein, elle est là. Elle a tellement de faux profils. Hein? Il dit que personne ne va vaguer sur la page, sur la toile que veuve. J'avais toujours dit, occupe-toi de ton ganda, occupe-toi de ton ganda, occupe-toi de ton ganda. Tu as de l'or, tu as de l'or. Mais non, hein, elle veut seulement menacer les Warriors au téléphone. Hein, si tu ne m'envoies pas, hein, je te bloque dans mes trucs. Mais Jean, Marie-Louise, c'est normal ça. Hein? C'est normal ça que quand tu avais la veuve, tu ne dois pas dire bonjour à Marie-Louise, tu ne dois pas dire bonjour à Sylvie Ténier. Ça devient, mais voilà les vos. Est-ce que c'est que moi-même je veux sortir pour moi? Là où hein, elle me laisse les vos parce qu'elle m'appelle. Hein, elle ne sait pas que les gens sont occupés. Hein, comme je n'ai pas pris, vous va, elle laisse les vos. Hein, si tu ne veux pas me donner hein, ceci, cela, je te dis que j'ai deux réunions demain. Je dois cotiser. Marie-Christine Zomo venait de m'appeler que l'argent arrive hein, la semaine prochaine. Oui, oui, oui. C'est une bandite. Il faut qu'elle change. Les gens l'aiment. Mais je vous dis, c'est moi qui vous dis. Regardez voir le savant. Elle a oublié les os. Elle a oublié les cartes. L'église même qu'elle avait dit que oui, de comment c'est moi, j'avais commencé, je dépends l'église, mon église. Nous sommes restés à côté, non? Elle a commencé, elle a prêché le premier jour. Hein? Fuck! Comment tu peux être avec quelqu'un qui se comporte comme ça là. Hein? Ma mère avait des punitions là dans mon enfance. Une vieille chouette que je ne sais pas. Hein? Chacun est quitté de son côté. On est venu se croiser ici. Non seulement, elle n'arrive pas à me lever. Et elle est venue jouer sur ma tête. On dirait que j'avais une calvitie. Mais non, Marie-Louise, quand c'est comme ça. Hein? Parce que, oui, oui, oui. Hein? Boulet, big up, big up. Hein? Marie-Louise Mbaga, quand c'est comme ça, hein? Laissez. Tu ne sais pas, les sorties d'aujourd'hui, tu comprends, non? Hein? Il faut vraiment être bête pour ne pas prendre une minute de silence avec les commentaires qu'il y avait hein, dans son direct là. Ou alors, elle est compresseur. Qu'elle ne me dise pas qu'elle est compresseur. Hein? Pour compresseur, j'allais dire que AK. Hein? Laissez seulement. Hmm? Why? Regardez. Regardez Warouz. Elle est dans tout. Elle pine les femmes. Elle pine les hommes.
Hein? Et celle qui vient dire que oui, vous les waka, vous les lesbiennes, mais ceci, elle-même, elle a léché Fleur de Lys, le feu était sorti. Why? Bolonenala. Why? Kimbo, republie encore là où il y avait des petits bisous. Oui, même aux cuisses, hein, au cou, à la nuque. Ah non, ma deux copes faisaient framponner des bisous, hein, là où les amoureux se framponnent. Alors, bon, à femme, abimane les petits bisous au cou, ça excite, hein, les petits bisous là où, bebe là, hein, oui. Tu honte mou là-bas la propre, ouais. Et comme pour toi, c'est l'aéroport. Hein? Ces gars-là ont besoin de pareils endroits pour venir faire leur truc. On te mourou là-bas là. Ouais. On te mourou. Les fidèles qui m'ont boosté, va sur elles. Parce que la première fois, c'est moi. Hein? Elles m'ont dit que, ils m'ont dit que oui, à femme. Ne déçois pas Warose. Hein? Programme le week-end. Je suis venu. Et ce sont ces fidèles-là. Hein? Toi, tu vas venir me dire. Et en plus, tu ne les bloques pas chez toi. Mais toi, tu veux qu'elles viennent les bloquer chez moi. Hein? Tu as vu Papy de Longsong? Hier, au pays, là, mes gens. Maman Emilienne allons à Western Union. Papy de Longsong a envoyé. Papy de Longsang, je t'avais framponné. Hein? Il avait dit que toi, tu es toujours. Hein? Tu envoies. Et après, on va venir te. Est-ce qu'il manque mes gens? L'histoire là, quand il framponnait que tu as vu ma mère, hein? On envoie les suites et dit maman, que la Western Union. Hein? Dès que Papy de Longsang envoie, même Papy de Longsang, il t'avait framponné que merde. Parce que tu avais envoyé. Je ne sais pas si c'est un jeudi ou bien vendredi, et tu avais dit la veuve. Si la chose là marche, je t'envoie encore samedi, c'est samedi. Vous vous souvenez, mes gens? Hein? Je n'oublie rien. Hein? Vous êtes comment même? J'ai fait du bon boulot. Là, voilà maintenant, elle vous dit que, regardez, elle vous a présenté la maison. Mais la maison qu'elle connaît là, elle ne pouvait pas présenter comme ça là. Ouais. Ouais. C'est moi. Hein? N'est-ce pas, voilà son oncle. Elle avait dit que papy est son oncle, comme ça envoie beaucoup de sous. Voilà son oncle qui a dit que elle est sale, non. Hein? Elle pue, non. C'est moi. Hein? C'est moi. Mais mon ami, tu ne peux pas rester sur la couette. Il pleut, il neige, il fait soleil. Hein? Des jours et des jours sans aller à la douche. Tu vas seulement aux toilettes et en plus sans aller nettoyer les mains. Hein? Même pas te voir. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, tu veux framponner? Attends, il te met. Redo Kalga. Allô? Okay. Est-ce que je suis en direct là? Oui, tu es en direct, oui. Est-ce que je peux framponner? Framponne. Ok, c'est René Star de Lille. Ah. Déjà, comme je te demande pardon, devant tes... Comment on les appelle? Comme c'est ton église, devant tes chrétiens. Mmh. Parce que j'ai défendu une personne que je pensais que c'était une femme comme moi. Le jour où tu parlais de ça, de ses sales fesses et tout ça, donc je te demande pardon. Voilà. Je croyais que la veuve... Je vais passer un message devant tout le monde là. Veuve joyeuse, écoute-moi très bien. J'ai écouté tes deux directs. Je vais te dire ceci, tu enlèves mon nom dans ta sale bouche qui pue la merde là. Voilà. Je dis bien, écoute-moi très bien. Tu oses prononcer mon nom dans tes sales choses. Tout le monde se ressemble. Attends-moi, là où je vais te croiser, je te dis là où je vais te croiser, veuve. Je vais te faire ça. On t'a jamais frappé, non? Je vais te frapper. Mais quand même, pas, il doit même moi quelque part, veuve. Mais bon
toi les pieds sur terre parce que tu oses ouvrir ta bouche sur moi. Tu prends mon nom, tu mets dans tes affaires. Tu oses mettre mon nom dans tes conneries. Je suis fatiguée de vos histoires. Quand vous allez faire vos histoires avec mon ancien client, vous enlevez mon nom dedans, d'accord? Enlevez mon nom dedans. Enlevez mon nom dans vos saletés, dans vos traces là. Tu le prononces. Je te dis bien, je te le dis, je passe pas par de comme Amougou parce que je t'ai défendu ici chez de comme Amougou. T'as vu non, René, ça? Quand moi je suis balata avec quelqu'un, je sais pourquoi, tu comprends non? Je suis balata. Oui. Moi quand je vais quelque part avec mon cœur, tu comprends non? Voilà, je laisse un peu, tu sais parfois j'ai framponné des personnes qui ne m'ont jamais rien fait, tu comprends non? Parce que c'est le game de Facebook pour moi, tu comprends non? Voilà, et une fois, après j'arrête, tu comprends? Mais pourquoi depuis je n'arrête pas? Parce que elle a voulu, regarde, quand tu vois même, tu comprends? Pourquoi elle a toujours des personnes, des problèmes avec des gens qui lui donnent, qui lui donnent des coups de main? Est-ce que c'est une malédiction? Et après, elle en veut à tout le monde, à tout le monde. Là où elle était, sa personne, depuis, même maman allant à Western Union, hein? Papy de Longchamp envoyé, papy de Longchamp envoyé. Et elle, moi, je ne prends pas de parti pris, tu comprends, non? Parce que même quand on écoute les voix, on lui fait, c'est le même travail que je faisais. Agnès, elle ne comprend pas. Je lui ai dit, tu vas en manger. Il y a des choses qu'il ne faut pas sortir de ta bouche. Tu comprends, non? Et il y a eu des histoires. Depuis là, on disait que les Mbengueter meurent du poison. Mais toi, tu vas manger, tu parles du poison. Hein? Si quelqu'un te dit de ne plus parler, hein? Je te demande pardon de quoi? Le jour là, quand tu parlais, je me suis dit que merde. Je t'avais dit, René, ça, je t'avais soutenu. Je croyais de une femme responsable, voilà. Une femme sérieuse, et tout, mais je me rends compte que la veuve n'a même pas, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de moralité. Tu peux insulter mon nom dans les conneries? Laisse ma vie là où je suis, j'ai pas besoin de toi. Tu arrêtes, tu laisses mon nom tranquille. Tu ne cites pas mon nom dans vos sabotés. Tu cites mon nom pourquoi? Hein? Tu cites mon nom pourquoi? Oh. J'ai déjà piné avec toi. J'ai piné avec. Tu m'as déjà vu dormir avec une femme un jour ou bien. Ah. Écoute-moi très bien. Si c'est le Bangala, ben je vous ai laissé ça. Mais pense, mais je vous ai laissé. Et laissez-moi tranquille. Mais je te dis ça, je vais te dire. Comme tu as osé ouvrir ta sale gueule sur mon nom, tu ne me connais pas. Renseigne-toi bien. Je vais te faire ta fête. Tu comprends? C'est la, je ne sais pas la 15e fois que tu t'acharnes sur moi. La dernière fois, tu as pris mes photos et celles de mes enfants, tu as publié. De quoi m'amour, comme tu vois là, cette femme avait publié ma nudité plus mes enfants. Oui. Elle a insulté mes enfants. Elle avait publié mes enfants. Elle a insulté ma mère. Elle a insulté ma mère alors que sa mère a déjà mangé ma souffrance. C'est pour ça que je suis comme ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai aidé la défendre chez toi parce que tu. Mais attends un peu, mais est-ce qu'il manque même que tu fais son sale, que tu t'accoules? Mais je te dis, hein, avant que je te frappe, je dis bien avant que je te frappe, je vais te faire ta fête. Avant la bastonnade que je te réserve, je vais te faire ta fête. Ah. T'as compris, non, la veuve? Et je te dis ça dans l'église de Gaulle, parce que c'est là où je t'avais défendu. Tu oses faire un truc, tu prononces mon nom? Voilà. Tu prononces mon nom? Mais ça va pas dans ta tête, c'est quoi? Voilà. Je vends le piment avec toi et moi, on se rencontre, on s'est déjà assis quelque part pour vendre le piment ensemble. Hein? Toi et moi, on s'est déjà assis dans un comptoir de piment un jour. Si tu t'es déjà assis avec moi dans un comptoir de piment, lève le doigt. Viens parler. Tu dis où toi et moi, on s'est assis pour vendre le piment. T'as compris, non? Donc tant que toi et moi n'a jamais vendu le piment ensemble, tu laisses mon nom dans ta sale ta sale gueule, la tente, tes fesses qui coulent l'eau là. T'as compris? Je répète. Toi et moi, la veuve, on ne s'est jamais assis quelque part pour vendre le piment. Tu enlèves mon nom dans tes sales fesses qui puent là et qui coulent l'eau. Et je te le dis, tu as la chance que le week-end j'ai mes enfants. Tant que quand mes enfants vont pas, je vais te framponner très mal. T'as compris? Et ce sera sans pitié. Voilà. Tu vas me rappeler des photos de ma nudité que tu as publiées dans les réseaux sociaux, des photos de mes enfants que tu as publiées. Il dit qu'elle insulte ma mère. Merde. Merde. Tu dis comment? Oui, elle avait publié mes enfants, publié ma nudité. Je n'ai rien dit, je suis restée tranquille dans mon coin. Mais là, aujourd'hui, je veux que une fois, je prouve qu'elle a osé prononcer mon nom dans ces saletés-là. Elle est toujours comme ça, non? Quand elle mène le combat avec une personne, ça ne laisse jamais les accoutumer. Ah, je suis
Non, elle te dépasse de 2 ans. Elle te dépasse de 2 ans. Comment? Elle te dépasse de 2 ans. Non, j'ai 45 ans. Non, donc elle. Je suis ton aîné. Waro, ça a 68 ans. Non, moi, une idiote comme ça, elle veut hein? Il faut voir Waro Fafa comme ça, là, vous allez lire. Hein? Mais tu es normal. Quand tu te regardes, attends de quoi? Quand tu te regardes, toi, la veuve joyeuse, quand on se place en tant que femme, dans tous les sens, la chatte, les fesses, les seins, tout, tu me veux? Sans chien de merde. Apprends à laver tes fesses avant de prononcer mon nom, t'as compris? Apprends à laver tes fesses. Non. Je me demande même ce que les hommes qui viennent... René Star, si c'est de ce côté-là, ne te fais pas de bim. Voilà. Au bleu, tu as la silhouette. Je vais parler chez toi, après je vais parler ailleurs. Écoute-moi bien, Wario. Apprends à laver tes fesses. Et je vais quitter des hommes qui ouvrent dans la bouche dans tes fesses-là. Parce que quand je pense comment un homme prend sa bouche, il met dans tes fesses. Je me dis que vraiment, ça ne fait pas la peine. Non. Non, personne ne met, c'est elle qui met. C'est elle qui met. Elle suce les gars. Il dit que. Elle est venue ouvrir sa bouche sur moi. Que je ne stade de l'île tilapia, de tilapia. Mais tu es normal. Quand tu partais piner, tu partais donner ça gratos. Je te dis que. La femme de 68 ans là, tu ne vois pas que. Regarde, elle a la barbe. N'oubliez pas ça. Elle a la. Regardez le. Elle a. Double petit, le petit menton là comme une petite pomme. Il y a la petite barbe là. Hein? Les katenga là, massa. Je pense que je l'ai descendu de comme chez toi. Où tu dirais que ses fesses coulent, ça coule plus. Non. Les deux dessous là, il dit que. Je regrette. J'étais le Namwan. Ouvrir sa bouche sur moi. Tout le monde discute quelque chose de la veuve. Si tu vois, ce n'était même pas des pertes, c'était le Namguan. Tu connais, encore on a fini de tuer le Namguan. Et on est venu annoncer la mauvaise nouvelle à la dame là. Elle a laissé ça là. Dans les réseaux sociaux, tu as vu mes photos. Je vais même aller encore mettre tout à l'heure là. Tu vois, quand tu vois ma chatte là, tu vois que ça ressemble à une chatte qui est sale. Voilà. Tu lèves ton sale nom sur ma bouche. Il dit que Juridien Belbi écoute. Quand tu vois la vie écoute. Voilà. 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 Je ne peux pas faire de fille. Filme-toi. Elle ne peut pas. Bicorbinoué et Bilat, il reste là. Il te dit quand heureusement que tu respectes encore mon Banzizi. Okay. N'est-ce pas ce que mon José est coché? Elle a honte, hein, René Star. Elle a ces deux gros orteils là qui regardent là où ça veut. Tu comprends? Tu sais, Waros, quand tu regardes ses pieds, ces deux gros orteils là, hein, ça go là où ça veut. Voilà. Non. Mais attends, René Star de Lille, toi, hein, tu mets les chaussures, tu peux quitter. En France, avec une paire de chaussures au pied jusqu'au Cameroun, dans l'avion, Waros tue les gens avec l'odeur. Elle enlève les chaussures. Ça fait mal. Ces chaussures-là, c'est pour les photos. Jésus, hein? Mon pasteur. Oui. Même si je passe le salaire, je viens avec sa chatte. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Comme elle a osé ouvrir son nom, ça. Elle ne peut pas. Ça m'étonne même. Je n'ai même plus envie. Je ne sais parce que je me disais que bon, je crois que c'est une folle. Elle peut-être comme elle fume la drogue, elle boit l'alcool, mais c'est facile. René Star, regarde comment j'ai pris la bouche. Ça veut dire je minimise le minimisement de ça. Elle ne peut pas. Assiri. Abel Bilat, je te dis que René Star, Abel Bilat et Bicot, Icoque,
tout. Il y a Imuranga Bouemou Lumele. Trois jours nous sommes restés dans la même maison. Sans laisser la vie. Le, non, c'est le cul là, tu vois le maître de pistache, quand une femme. Le maître de pistache, oui, toi, mais non, 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 regarde, tu sais, une femme qui est en train de faire son maître de pistache, elle a fini de malasser, non, mettre les condiments, et on vient annoncer une mauvaise nouvelle, elle abandonne ça, et ça reste là une semaine, c'est ça qui était sur le dessus de Waro, ce ne sont pas des pertes, hein. Je dis que la qualité là, prenez ça, quand tu entends que nous ne sommes pas parentés, nous ne sommes pas parentés. Mais elle m'a jamais, il dit que jamais. Enfin, on peut faire ça. Bien fait. Frampon, tu vas changer. Ah non, ma. Elle a insulté ma mère, mes enfants et Anouama. Barbara. Alors que un jour, Alice voulait son macabre et je suis allé sauver le spécimen. Dès qu'elle donnait 100 euros, elle est partie, elle a couru dans la chambre, elle a dit nous sommes sauvés. Mon président. Et Manem Barikok. Je te dis. René Star, je ne sais même pas. René Star. Les gens qui sont là, ils sont tout le monde te connaît là. Je te passe un message. Fais attention, là, je vais te croiser. René Star. René Star. René Star, ne te fais pas de bile. Je ne vois pas là où elle peut te wing. Non seulement elle a des hémorroïdes aux lèvres. Tu comprends? Je ne sais pas. Regarde très bien Waros. Quand elle ne met pas le rouge à lèvres, quand elle met hémorroïde, elle est diminuée de partout. Mais oui, elle est diminuée de partout. Je te dis. Me Karauna. Une moribonde. Quand le combat dépasse Waros, elle commence à toucher les à côté. Les à côté. Et Mani Yelilan. Les photos, quand tu as mis ma nudité, tu as mis mes enfants. Je t'ai dit. J'avais minimisé. Mais aujourd'hui, je ne t'ai rien fait. Je t'ai défendu l'autre jour. Tu pouvais taper tes affaires sans mon nom. Tu penses que mon nom, je t'ai provoqué? Je t'ai fait quelque chose? Mais il faut voir. Minga Beledol Anadouaz. Manembarasu. Anemango. Je te dis, ça m'avait dépassé. Je dis que quand elle venait s'agripper sur moi là, elle était tout le temps sans caleçon. Je te dis que parfois la bave la restait sur ma poitrine, sur mon t-shirt. Tu vas me moi le nier un jour. Mais il va arriver à la maison, on va venir voir la forme des lèvres. Je te dis, la femme là, ok. Quand Mbé voit, c'est une sorcière. Je te donne un défi. Tu prends le téléphone toi-même. Comme tu dis que comme tu prends le téléphone toi-même, tu te filmes ta chatte. Tu viens, tu publies. Comme je viens, tu publies. Non, Asiri, Asiri. René Star, je te dis, ne te fais pas de billes. Asiri, Asiri. Je dis que pour elle, la honte. Je dis que tu ne vois pas que j'ai tellement mis au pas, comme son orgueil négatif là. Elle est venue afficher ses pieds. Elle a enlevé des écailles comme ça. C'est à mon devision, on lui dit que Waros met la glycérine. Elle court. Elle ne prend pas la glycérine. On dit met bain de karité. Elle court. Je pense que une femme qui se soit devant le monde entier avec les fèves qui coulent,
Je t'ai dit. Elle insultait les gens. Une mendiante. Je t'ai dit. Manuela Bodo, big up, ma première nuit à l'église. Non, Manuela, j'ai fait un big up à Manuela, bien bonne arrivée. Dangereux blague, big up, merci. Oui, non, tu sais, non, tu avais bien fait. René Star, je veux te dire la vérité, ça me vient du fond du cœur, ton geste, tu comprends, non, j'avais apprécié, tu comprends, non. J'avais apprécié parce que normalement ce que je fais n'est pas bien. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais comme elle veut jouer du labellu, elle manipule les followers, elle ment sur les gens, je suis obligé. Et faire aussi, je suis en plein travail aussi, tu comprends, non? J'allais voir peut-être que maintenant. Je l'ai défendu ce jour-là. Voilà. Tu comprends? Je défendais une femme comme moi. Hein? Parce que j'ai plus le côté de la femme. Tu sais pourquoi, un saliste, c'est Kimbo qui avait commencé, elle-même est saliste son ganda. Les histoires qu'elle sort de la bouche là, j'ai dit, les gens sont déjà devenus sensibles. On parle que du poison, les gens meurent du poison, mais toi, tu es tout le temps. J'ai bien écouté les voix, tu comprends? Papy de Longchamp est venu me demander pardon, que ouais, que arrange. Tout le monde, Lolo Fodja, Flo de Lille, j'ai dit tout le monde. Hein? Mais c'est toujours avec ces gens-là, tu comprends? Lolo Fodja a aimé. Hein, ma première fois d'aller à Suresse. Hein, Lolo Fodja, Fleur de Lille. Hein, m'ont tellement remercié. Hein, que franchement, tu comprends, non? Mais, elle ne veut pas que je prononce les noms. Est-ce que tu comprends? Elle ne veut même pas que je. C'est-à-dire, si je dis seulement que j'ai call Fleur, ou alors Fleur, elle y a seulement que Fleur m'a call. Mais mon ami, ça devient dangereux. Hein? Ruby Glo, voici Ruby Glo. Moi, je sais que Ruby Glo, tu comprends, non, aidait beaucoup la veuve. Tu comprends? Mm-hmm. Moi, je sais parce que la première fois, elle est venue à l'église, c'est parce que je parlais de la veuve. Elle a dit, tiens, comment ce gars s'y connaît? Est-ce que tu comprends les histoires, tu comprends, de la veuve? Moi, je dis, si je ne partais pas avec mon cœur, tu comprends, non? Je serais quitté, c'est-à-dire la deuxième fois que je suis parti à Suresnes. Tu comprends? Voilà, j'avais remarqué qu'il y avait un truc de bizarre qui se passait. Et à la fin, j'avais compris que veuve manger l'argent des femmes, je ne savais pas, derrière moi. Hein, tu comprends un peu? Ça, c'est une vérité, je vous dis. Hein? Ça veut dire, par exemple, moi, je suis en mission. Je passe la commande pour aller chercher la bouffe, tu comprends, non? Elle appelle les gens que hein, mon président arrive, tu comprends, non? Ça ne dit pas aux gens que moi je viens récupérer ma commande. Et les gars viennent se bagarrer là. Parfois, je dis même, attends, qui va même vous toucher même? Je ne suis pas un assistant social. Hein? Que moi, je vais venir là, vous venez jouer la belle. Tu comprends, non? L'angala, la... Ouais, que la première fois, c'est le dimanche quand je rentre, qu'elle me dit qu'on envoie la gens que je te fasse à manger, à boire. Tu comprends? Alors que les gens l'avaient envoyé les sous depuis quand il y avait eu l'annonce qu'elle partait à Suresnes. Tu comprends? Les Calisson, elle avait envoyé 100 euros. J'ai tout laissé.
tout laissé. Et il y a des gars qui ramenaient, ça venait là-bas, là, ça commandait les champagnes. Waro se disait que oui, de comment on arrive, ça venait là-bas, là, ça commande, on vient livrer là, au Nganda. Tu comprends? Et quand moi j'arrive pour venir prendre ma commande, hein, elle me demande de rester à la cuisine. L'enga demande de comment Mougou. Hein, elle commence à vouloir bagarrer avec l'enga. Que pourquoi vous voulez quoi? Hein? Tu comprends, non? Et elle est comme ça. Et j'ai remarqué toutes les personnes qui donnent coup de main à Warriors. Tu comprends, non? Elle ne considère pas. Tu comprends? Même si elle fait souvent ça avec les autres. N'est-ce pas? Même quand tu lui donnes quand même quelque chose, elle devrait être respectée, non? Hein? Hein? Elle est repartie au Cameroun, ça ne venait pas de ses poches. Tu comprends? Elle n'oublie que. Hein? Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, quand j'attaque quelqu'un, tu comprends, non? Quand j'attaque quelqu'un, après moi-même, quand il sent que ce n'est plus le jeu, j'arrête. Tu comprends? Mais ça, tu comprends? Même si les gars, il y a Amer Kamer. Tu comprends? Parce que c'est les mêmes gens. Tu comprends, non? Voilà, l'histoire de Mafou est venue ici, j'ai vu ce qu'Amer Kamer a fait. Tu comprends, non? Voilà. Papy de Longchamp a commencé. Si on a commencé à donner les sous à Mafou derrière, c'est grâce à Papy de Longchamp. À Papy de Longchamp, Amer Kamer est venu s'associer avec Papy de Longchamp. Hein? Quand Papy de Longchamp dit donc que, bon, voilà, je ne suis plus là-dedans, le mec, il vient framponner Papy de Longchamp. Mais moi, j'avais dit qu'attends, le gars, si tu es comment? Hein? Mafou dit qu'un modnier pour rien, tu ne comprends pas ça. Hein? Je suis avec Balata. Tant que Warus ne demande pas pardon, ne serait-ce qu'à mes fidèles, tu comprends, non, mes membres, hein, tu comprends un peu. Voilà, elle insulte ma mère, moi, je m'en fous. Sa mère a mangé ma souffrance. Non, moi, je te tu comprends? Pardon, non! Non, René, ça! René, ça! René, ça! René, ça! Si je dis que. Si elle te dit que ton geste, tu comprends, non? J'avais bien pris, tu comprends? Je sais. Sinon, j'allais te framponner. Sinon, j'allais te framponner, tu comprends? Tu vas pas te dire que ouais, que René, ça. Voilà. Parce que ce que tu avais fait là, si ce n'était pas le truc, tu comprends, non? Franchement, j'allais t'écouter, tu comprends, non? Parce que c'est ce que nous voulons que les femmes en fassent. Parce qu'il y a une catégorie de femmes au jour d'aujourd'hui. Quand les soeurs ont un malheur, tu comprends, non? Ça passe à ceci pour les enfoncer. Tu comprends, non? Nous ne voyons plus, les femmes ne soutiennent plus leurs soeurs. Tu comprends? Ce que tu avais fait, tu avais bien fait. De venir me dire de laisser. Voilà. Sinon, hein, j'allais te framponner. Mais je ne laisse pas parce que, heureusement, on dit souvent que c'est le temps qui règle tout. Hein, tu comprends? Voilà. 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 Et je voudrais remercier Marie-Louise Mbarga qui se trouve dans ton direct. Voilà. Voilà. Si. Non, Marie-Louise Mbarga, tu comprends, non? Je remercie Marie-Louise Mbarga. Marie-Louise Mbarga, quand moi je lis ses commentaires, tu comprends, non? Voilà. Je vois comment Marie-Louise Mbarga, tu comprends, non? Mm-hmm. La veuve elle-même, j'ai vu un commentaire là-bas, là. Elle a donné un bon conseil. Je ne sais pas si elle a même léqué le commentaire là de Marie-Louise Mbarga. J'ai peut-être que léqué ça là. Tu comprends, non? Ça s'agressait à la veuve joyeuse. Tu comprends, non? Mm-hmm. Voilà. Moi, j'ai tout le temps. Regardez les petits trucs qu'elle faisait rigoler les gens. Les zoos, les cartes, danser. Elle ne s'occupe plus de ça. Non, je dis par exemple les cartes. Oui. Elle n'a plus aucune personnalité envers personne. Voilà. Mais là, moi, je dis que ce n'est plus bon. Et il faut qu'elle arrête ça. Et il faut que quelqu'un lui fasse stopper. Et c'est bien comme tu fais là. Tu comprends, non? Mais je travaille, non? Je travaille. Ce n'est pas ce qu'un mec a dit qu'il fait là. Moi, je travaille. Je travaille. Vous allez voir maintenant. Vous ne voyez pas depuis même ses directs ont changé. Elle est un peu propre. Oui, elle s'arrange. Je travaille, elle a manqué la maison. On ne voit plus les deux asticots qui font la diagonale, la course en diagonale. Là, ben là, les deux asticots, là.
J'étais parfois à la cuisine comme ça, j'ai regardé ça comme ça, là, yeux dans les yeux. Je vois les asticots. Hein? Aïe. Non, elle a les hémorroïdes. Elle a les hémorroïdes. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle a honte de elle-même. Elle ne peut pas. Ok, merci, merci pour ton intervention. Merci, merci. Non, bisous, bisous. Non, le pasteur, lui, pardonne. Il pardonne tout le temps. Ouais. Non, ton geste était bien, t'inquiète pas, j'ai dit sinon j'allais te framponner que Yébenjina. Je sais que tu respectes ce jour. Il te dit. Non, est-ce que c'est une fille, c'est un caïman, hein? Il faut conjuguer au masculin, c'est pas féminin. Il faut voir. Pasteur, si tu n'as pas tué les asticots, pourquoi? Non. Avant. Les gens, les jeunes, est-ce que tu peux tuer la carte de cru qui te donne le, qui te met, remet le sourire aux lèvres? Quand je vois les deux asticots, là, mon frère, et ça ferait la couche là que en diagonale, hein, en diagonale, le chemin le plus long. Ouais! Et le sourire, non, et papy, non, papy a la bouche. Papy a dit que la première maison qui tu m'as bengé, là, il voit la sourire. Il voit la souris, la souris. Ouais. Dans le Facebook. Avant, papy de Longchamp a dit que c'est la première fois que tu me l'as dit, mais ça, il voit la souris. Oui. Bisous, bisous. Non, papy de Longchamp est dangereux. Quand papy de Longchamp annonce un truc, hein, mais mon ami, tu peux perdre ton travail. Et mon mari dit que la première maison qui dit me voit la souris. La femme, c'est quand même rare de voir la souris en bengue. À part dans les. Ici à Paris, dans les parcs là, hein, on voit les djims. Ça, ce sont des rats. Ouais. Ok. Attends, le téléphone, c'est devenu quoi? Putain. Ben, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Mais mon frère, l'angassi a envoyé la sorcellerie dans mon téléphone. Attends, attends, attends. Qu'est-ce qui se passe? Ok, Warius. Mais Jean, qu'est-ce qu'il y a mon téléphone tilt? Yeah. Et le caïman. Regarde, mon téléphone a pété un câble. Je ne vois même plus rien. Attends, va appeler. Attends, va appeler. Attends. Allô? S'il te plaît. Allô? Allô? Oui. Oui, je mets le parleur. Non, non, non. Oui. Allô? Pardon? Oui, ça va? Oui.
Ok. À tout. Et le caïman. Tout le monde qui te fait du bien. Hein, tu framponnes, tu vois. Attends. Il va prendre le numéro là. Allô? Allô? Oui, allô? Pourquoi la veuve ne veut pas que je parle? Pourquoi? C'est l'enchant. Ah, ça va, papy? Ça va et toi? Ouah, ça va. C'est comment, mon père? Eh, je suis là, tranquille. Hein. Je suis en train de travailler, je travaille, il faut qu'elle change. Non, ce que tu fais, pasteur. Oui. Tu sais, dans la vie, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Tu sais? Au départ, en fait, j'étais contre toi. Quand je dis contre toi, c'est parce que toi, en fait, tu es quelqu'un de vrai. Tu n'as pas de parti pris. Moi-même, quand je fais pas bien, tu me framponnes. Tu me donnes pas le lait, tu me tapes ça ou ça va pas. Tu comprends un peu? Ouais. Tu sais, moi, je connais ce que tu as vécu. Tu peux mettre le haut-parleur, hein? Moi, j'ai pas de problème. Hein? Ok. J'ai mis. Ouais, moi, je sais ce que tu as vécu. Et deux fois dans la vie, on dit que quand tu dis les vérités à quelqu'un, c'est pour que la personne change. Quand même, tu ne m'as pas donné le lait. Tu m'as framponné si bien et normalement. Quand je dérangeais les gens. Mais tu sais, la vie, on dit toujours, quand quelqu'un te donne à moi, je sais tout ce que tu faisais là-bas quand tu étais chez elle. Hein. Moi, je parle ce que j'ai vécu. Tu comprends? C'est une femme, je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas son père, je ne suis pas sa mère, mais quand tu es gris et tu es jaloux, tu peux tuer quelqu'un. Tout à l'heure, je te suis depuis tout à l'heure, même quand tu parlais avec René. Et je ne vais pas te mentir, tout à l'heure, il a parlé un truc de très, 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 très vrai. Parce que des fois, on dit, les hommes affichent les femmes. Mais il y a pire. Les femmes aujourd'hui affichent les femmes plus que les hommes. Bah oui. Donc, René a parlé. Parce que les gens croient souvent que la toile, c'est peut-être les règlements de compte parce que tu n'aimes pas. Voilà René qui a parlé hein, avec toi. Moi, je parle avec René. Hein. On a arrangé nos problèmes, on a fait la paix. Je vais chez elle, on se voit. Tu comprends un peu. Mais les gens, il y a des gens haineux. Il y a des gens qui sont prêts à faire du mal. Tout à l'heure, tu as dit que la fille, elle peut mettre le poison aux gens. Moi, je te confirme, je valide. Elle est au pays, tu sais ce qu'elle a ramené? Non. Donc, il faut que les gens fassent très attention. Très attention. Moi, je dis, ton combat que tu mènes, ça va faire cette femme va changer. Et mon apparition aujourd'hui, elle va changer. Bah oui, mais j'ai dit ça. Non. J'ai dit, je suis avec toi, par la table. J'ai dit, j'ai gardé mes munitions pour elle. si tu as besoin, tu m'appelles, je te donne. Quand j'ai dit qu'il y a la souris dans la maison, là, je vais chercher une vidéo, c'est passé là, le jour là, j'ai dit que voilà, je vais chercher la vidéo, je vais te montrer ça. Je ne rigole pas. Moi, je parle toujours avec preuve. Je n'invente pas les histoires. Elle invente. Tu comprends plus, non? Mais elle a dit qu'elle cherche le clash. Quand c'est les autres, elle fait 20 directs par jour. Moi, je n'ai pas besoin de faire 20 directs. J'ai fait 2. Ça la met KO. Tout à l'heure, c'est parce que les gens m'ont appelé. On m'a dit calme-toi. Je devais faire le direct à 22. C'est le SAMU qui devait venir chercher la fille pour la ramener dans la psychiatrie. Tu comprends plus, non? Et si tu dors une minute, tu te fâches. Tu fais qu'elle insulte ta maman. Papa, je t'ai dit. Je vais compartir avec toi. Elle framponne ma mère, non? Elle framponne mes filles. Et en plus, sa mère a mangé mon argent. Hein. Non, fais le direct. Tu dis que moi, je t'ai dit que je donne l'avertissement. Si elle insulte ta maman, c'est que c'est moi qui l'ai cherché par là. Je fais ce que je vais faire à la veuve. J'ai dit, papa, si elle insulte ta maman encore, papa, voilà. Moi, j'achète le problème. Bah, je vais t'appeler. Ce que je vais faire là, la veuve va aller à l'hôpital parce que c'est sale, c'est pas bon. Mais on va dire que je suis un malade.
je suis son Dieu en ce moment. Elle connaît. Je mets la vidéo là-dedans. Oui. On est sur tout le tous les jours. Elle va se cacher, elle va mourir. Ah. Je dis, elle sait. Depuis que tu m'as pas fait des directs, elle est calme. Elle connaît. Je lui dis, et ça, il est d'accord parce que même. Elle avait toujours framponné, mais comme moi, je ne sais pas, je ne garde pas les. Je ne sais pas comment on fait pour. Tu comprends, non? Si j'étais comme eux. Hein? Elle framponne, non? Elle framponnait tout. Elle me présente des gens et elle vient les salir que non, il ne faut pas les fréquenter. Hein, tu comprends un peu? Mais dis comme il faut me dire la vérité. Je pense que tu m'as la vérité, tu m'as la vérité. Non, non, non. Et papy, non, je n'allais même pas la framponner. Non, je n'allais même pas la framponner. Sur la vie de mes enfants, je n'allais même pas la framponner. Tu comprends, non? Si j'avais goûté ça, je n'allais même pas la framponner. Tu comprends, non? Non, je n'allais même pas la framponner. Non, il dit, papy, il dit, si tu fais 3 jours, jamais ça au cop. Attends, tu ne vois pas ce que la souffrance de Warus, si elle m'avait goûté, n'est-ce pas, ce qu'elle a parlé, ça? Hein? Le défilé qu'on a fait chez moi là-bas, que tu vois, quand tu finis de me faire le défilé, tu fais les fesses là, tu commences à péter, 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 péter. Eh, Adama, on peut faire ça. Mais il te dit que le premier, quand je suis parti là-bas, là, tu comprends, dès qu'on a fini de faire le show, elle m'a demandé, papy. Je te mens pas. Qu'est-ce qu'elle a vu terrain, c'est. Je connais l'animal, non? Elle m'a demandé, et papy, qu'est-ce qui se passe? J'avais déjà remarqué que. On dirait qu'elle avait dit, mais l'audio aussi, que s'il y a même. Donc moi, je ne suis pas une gars. Quand je suis dans la chambre, tu comprends? Elle va djoumla, comme si elle cherchait quelque chose, tu comprends, non? Elle fait au maximum de bruit pour que ça me réveille, tu comprends, non? Et j'étais là, je dormais en caïman, un nez fermé, un nez ouvert. Tu sais que moi, mon paquet, je mettais toujours dans les mimbangs, non? Avec un boxeur, Siri. Oui, je suis là. Elle est là, elle est là. Il dit que, mais, la femme, si, c'est aujourd'hui, tu veux connaître la chambre, si. Hein? Toi, tu es là. Hein? C'est là-bas, là. Après, elle commence. 3 minutes après, elle revient. Elle a attaché la serviette ici, papy. Il dit que ces petits cailloux-là, en dessous de ces petits cailloux qu'elle a sur la poitrine-là, elle est là. Elle fouille, elle fouille. Après, il y avait des plastiques dans la chambre. Elle a pressé les plastiques pour que ça me réveille. J'étais là, en caïman, mouf. Papi, tu sais que quand tu as ton magot là où tu es là où c'est pas ton territoire, non? Hein? Tu pouvais ton. Je mets ça en que les mimbang, mon frère. Il dit que j'étais là en plat ventre. Il n'y avait que la tête qui était comme ça et dormant carrément. Langala, papi, comment tu peux t'exciter avec une gars qui fait 3 jours sans go à la douche? Elle va seulement aux toilettes. Elle n'est pas même pas lavé les mains quand elle finit d'épicer. J'ai dit que. Hein? Papa, j'ai dit que son corps est tout salé, c'est sale, c'est sale. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est pas la blague. Tu as déjà vu les tibias, tu as vu les tibias de Wado, ce n'est pas hein, comme voilà. Mais là, le tibia du porc, mon frère. J'ai été dit que le tibia de Wado, tu poses la lame, ça se déchire. J'ai dit que c'est collé, j'ai dit que c'est collé avec l'os. Le pied, j'ai dit que merde, le pied là déjà, waouh. Waro, j'ai assuré ses tibias, il faut voir. Tu sais qu'elle a la calvitie, ses cheveux-là, comme elle a la perruque, c'est sa partie du milieu. Non, c'est vrai, elle a la calvitie. Un jour, j'ai regardé ça, et je me suis dit, c'est quoi ça? Non, elle a la calvitie. Oui. Mais Waro, c'est un homme, non? Waro, c'est la même barbichette que moi, si, comme ça, là, non? Ce n'est pas parce que c'est une gars. Hein? Non, elle dit que sa perruque là, oui. On installe ça, c'est moins cher parce que c'est la moitié de sa tête. On commence à partir de la moitié de la tête. En bon, hein? J'ai dit que papy de Longchamp, tu connais son papy, son tapis là. Baba là. Mais il y a les puces là-bas, frérot. J'ai dit qu'il y a tout. J'ai dit que. Moi, quand j'étais là-bas, tu fais des puces. Des mycoses, des champignons, tout. Papy de Longchamp, il n'y a que elle. Qui peut marcher pieds nus là-bas, là. Toi, tu le fais. Hein. Tu attrapes tout ça, là. Tout ça. On les germe, là. Je te mens pas. Abe mycose, abe champignon. Quand j'ai rentré, j'ai dit, là, c'est que qualité. Mais Karaona, j'ai dit que, papy de Longchamp, un jour, j'arrive là-bas, là. La saleté avait couvert les cuillères, les fourchettes, des couteaux. Ça dit, toi, tu vois, là, tu ne savais pas qu'en hein, dessous, là-bas, là, il y a ça. Tous ces matos là. Hein? Vous connaissez même. Hein? Laisse ça, Nadine Bella, laisse ça.
Laisse ça. Quand elle était là-bas, là, au pays, ce n'était pas à chaque fois que maman, que la Western Union, papi a que leur money. Papi a que leur money. Mais, comme c'est quoi, tu ne connais pas. Je t'ai dit, je mets cette femme au défi. Elle insulte ta mère encore. Moi, j'achète le bout. Voilà. Comment voilà. Pas qu'on achète. Tu lui dis ça que j'ai dit. Voilà. Moi, je fais pac-pac. Voilà. Pac-pac. Comme ça. Non, j'achète le problème là. Maintenant, j'achète tous les problèmes où elle est là. J'achète ça. Roura. Papi. Elle va changer. Ton église, elle doit venir se confesser chez toi. Je t'ai dit. Comme ça, tu sais ce qu'elle a fait? Les Nadine Bella viennent parler ici. Tu sais ce qu'elle a fait, papi de Longchamp? Non. Elle m'avait dit de virer mon pasteur, tu comprends, non? Ouais. Mon pasteur à femme, que si elle n'est plus avec moi, c'est parce que j'ai refusé de virer. Elle m'a dit que tu as volé en femme chez elle. Non, ça, je te dis ça, Roua. Elle m'a dit que tu as volé en femme chez elle. Ah bon, hein? Oui, elle m'a dit. Hey, c'est une menteuse, hein, Langala. Toi, tu ne sais pas. Tu sais que pour me flatter, pour que je dise choco. Elle me dit que, Anya, si tu veux un peu de 15 000, les 10 000, ben, non, mais 5 000. Elle m'a dit ça, elle m'a dit que tu n'as même pas 1 000 euros, mais tu veux prêter 10 000 euros. Voilà, et ça c'est pour t'escoquer. Si les gens, elle vend l'argent, il dit, maman, tu n'as pas voilà, de voilà. Un de mon gars, Kane Waros, je regarde ma carte. Hein? Si je veux prêter des sous, je pars au distributeur, je tape là où c'est écrit crédit. Hein? Voilà. Et c'est quoi ton... Il dit tout cela pour me rafficeler les miettes, hein. Ouais, hein? Comme un voilà. Tu comprends, non? Et papy de Longchamp, elle a aussi un mauvais comportement. Quand tu assures, quand vous partez peut-être dans un supermarché, tu vois elle prend le panier, hein? Elle ramasse. Après, elle te dit, va payer. Elle ne te dit même pas, s'il te plaît, la façon qu'elle te parle, hein. Comme si c'est obligé. Maître. Oui, comme si c'est obligé. Non, je connais le comportement là, si. Mais un jour, je suis resté comme ça et elle n'avait pas pris n'importe quelle qualité de vin, de Dagobert. Mais mon ami, hein, rien que l'alcool, bebe là. Et papy, le soutien Nathalie, quoi, tu sais que j'avais fait un direct qui avait fait mouche quand il partait au truc. Quand je disais que je m'avais d'abord cherché mon bon vin. Mais mon ami, j'ai pris. L'alcool, je ne sais pas si c'était 5 ou 7 bouteilles. Tu comprends? Je suis venu à la maison. Après, je suis allé à Paris. Tu comprends, non? Mais mon ami, quand je suis revenu, il n'y avait plus rien. Elle était en train de consommer la dernière bouteille. Après, je me suis dit, est-ce qu'elle a gardé? Parce que c'est des bandits, hein? Est-ce qu'elle a gardé une partie? Où elle a boire toutes les bouteilles, là? Non, elle a fini. C'est la perroque, mon frère. Et il faut voir, j'ai publié une de ces photos là où elle a la bouche ouverte comme ça, la bébé là. Les hémorroïdes. Si je commence à publier ces photos là, les gens vont mourir. Tu sais, je dis, j'ai dosé encore aujourd'hui. J'ai dit que si elle fait action, c'est réaction. Elle a des petites cuisses comme les pilons de poulet, il faut voir. Elle n'a même pas de pouce, papy. Attends. Son petit caillou qu'elle a derrière, qu'elle appelle fesse là. Est-ce qu'elle a des pouces? C'est pas le caillou, c'est le rappel. Je dis, elle est sec comme le poisson sec, mon frère. Voilà. De comme tu as un sang noble. Non, Nadine Bella, tu sais, je ne vais même plus te calculer. Parce que Mimi, c'est vous qui faites en sorte qu'elle soit comme ça. Je travaille. Ouais, maintenant. Non, de comme ça, je ne veux pas te mentir, tu travailles. Là, voilà, elle manque maintenant la maison. Moi, je n'avais jamais vu ça comme ça. J'étais venu te voir, comme je t'ai dit, papa, pardon, dos. C'est elle qui me dit, papa, va voir le fou là. Dis-lui que, pardon, j'ai compris. Tu te rappelles, je viens te voir. Si. Mais beaucoup, même la dame là où j'étais à Lyon, là au restaurant. Voilà. Va demander. J'ai les voix de la dame là, non, là où elle pleure, non, que, pardon. Si. Est-ce que je manque? Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, femme qui est là, je ne manque pas. Beaucoup de Waros sont venus me voir derrière. Elle m'a dit que je t'organise, je te fais une surprise, je te prends, je t'amène chez elle. Mais oui. Je crois que je t'avais appelé, on a fait le programme. Tu vas réfléchir. Parce que hein, quand je parle ici à l'église, les gens croient peut-être que non, je mange. Je ne suis pas un mec quand même. Kosso Waros. Je ne te mens pas. On voulait même envoyer les produits depuis l'Allemagne. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, non, déjà, je ne donne pas la graisse des gens comme ça. Mais comme elle est têtue, on devait envoyer les trucs de l'Allemagne à Waros. Hein? Et les gens qui avaient aimé notre concept là, tu comprends, non? Les Waros et consorts, les gens, tu comprends, non? Elle a perdu beaucoup. Attends, papy, on m'appelle, non? On m'appelle pour me supplier. Hein?
Si, laisse, mais Il y a une femme qui l'avait contacté pour faire la publicité de ses vêtements. Elle lui a oui. donné 300 euros. J'ai le vôtre là, je vais t'envoyer. La fille a pris l'argent et insulté. Puis dès que la fille voulait parler, elle a insulté la fille, elle a bloqué la fille. La fille est venue pleurer chez moi. J'ai les voix. Voilà. Ça va venir après. Pour le moment, je reste d'abord tranquille. Voilà. Non, non, là, le caïman est blessé. Hein. Ah oui, très blessé, il très dit blessé, que très blessé. Même les écailles, les écailles sont. Les écailles ne sont plus. Ça dit, ça peut essayer d'adoucir les écailles. Hein? Non, mais je t'ai dit, si elle prononce encore le nom de ta mère, papa, pardon, ouais. cherchez le problème. Tu ouais. m'envoies le message. Si. Je vais t'envoyer. Tu sais, je n'ai pas mené tous les vols. Je vais t'envoyer quelque part. Tu vas faire l'évangile avec ça. Tu fais l'évangile avec ça et tout. Tu fais un peu passer ça dans l'église. Si. Ouais, y a pas de souci. Okay. Moi, je t'envoie ça, mon frère. Merci. Et ok, puis, de rien. Ce que tu fais là, mon frère, va changer de gré de force. Ok, merci, allez, papy. Ouais. Samedi. Bonne soirée. Nadine Bella, laisse ça. Est-ce que c'est moi alors qu'on insulte? C'est moi qu'on framponne? C'est moi les secrets sortent dehors? Hein? C'est à cause de vous hein? que les secrets sortent dehors, vous encouragez, voilà. Hein? Tu ne vois pas que Nadine Bella, avec tout ce que tu as eu à voir, hein? Au Calga, hein, je vais te framponner, Nadine. Hein? Tu sais que tu es dans un pays là où tu connais, hein, au Calga. C'est comme ça, quand moi j'aime une personne, je n'aime pas que ça va gouiller comme toi là. C'est pas, tu vis, c'est quoi, c'est quel jeu. Hein? Quand ça insulte ma mère, mes enfants, hein? Est-ce que c'est Laetitia là, moi j'ai donné l'argent. Hein? Hein? Pourquoi vous ne lui dites pas? Hein? Pourquoi vous, avec tout ce qu'on vous a montré là, vous aviez le sourire aux lèvres comme ça là. Hein? Vous dormiez devant lui, hein? Assurance, quand de comment vous étiez là-bas là. Hein? Parmi vous, vous avez commencé à vous masturber, à vous caresser les foufounes. Hein? Hein? Et c'est maintenant que vous voulez venir me dire que. Hein? Hein? Stéphane L, big up. Hein? Pourquoi vous, quand elle se comporte comme ça là, pourquoi vous ne lui dites pas? Voilà les gens. Hein? Elle était au pays. Nadine Bella, tu lui as envoyé quoi? Papy de Longchamp a envoyé, non? Maman Emilienne connaît Papy de Longchamp. Maman Emilienne peut conjuguer, oui. Hein? Quand ma fille était ici et partait tout le temps, chaque temps à Western Union, c'est grâce à Papy de Longchamp. Pourquoi vous ne lui dites pas? Ou alors poser la simple petite question, tellement il y a déjà eu des pareils cas. Pourquoi toujours c'est des personnes qui te donnent des coups de main? Hein? Voilà. Hein? Nadine Bella, avec tes lèvres là, réponds. Hein? Elle avait demandé pardon ou elle n'a jamais demandé pardon. Non. Le caïman passe derrière les gens. Hein? Derrière les gens. Le caïman passe derrière. Ça ne veut pas s'exprimer en direct. Ça me salit en direct, mais ça passe derrière pour aller demander aux gens de venir me baratiner, de laisser. Est-ce que c'est normal ça? Hein? Non, mais moi je n'ai pas y a ton nom. Maman Emilienne ne connaît pas ton nom, Nadine Bella. Voilà. Maman Emilienne ne connaît pas ton nom. Elle connaît le nom de Papy de Longchamp. Ouais. Yé Benjinan, pourquoi vous voulez toujours venir ravir la vedette aux gens? C'est le nom de Papy qui était là-bas là. Hein? Non, t'as pas compris. Mais voilà donc, est-ce que c'est toi qui dois crier? C'est elle qui devait quand même dire que, hein, ma petite sœur Nadine, merci beaucoup. Hein? Voilà, rien que ça. Mais elle ne dit jamais merci. Elle ne reconnaît jamais. Hein? Ce qu'on lui donne, elle cloue tout le temps petit. Il faut toujours donner. Est-ce que c'est comme ça? Quand elle dit que I am the star, vous applaudissez. Voilà donc alors, il faut nourrir la star. Il faut acheter le départ à la star. À Noama. De comment moi je m'attaque. Hein? Moi, je sors qu'avec les gens qui prennent le départ. Hein? Les ceci, cela. Hein? Wara, 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 wara. Nadine Bella,
pourquoi vous êtes là, vous les Wadous? La femme dit que oui, ces pieds-là, les lasers peuvent régler ça. Pourquoi vous ne contribuez pas? Pourquoi que Bobo laser? Vous ne voyez pas qu'elle souffre avec ses pieds-là? Hein? Elle souffre avec ses pieds. Regardez, elle n'arrive pas à mettre une chaussure comme toi. Nadine Bella, je t'ai vu. Hein? Aller monter dans ta voiture, là, bien habillée, avec les chaussures aux pieds. Hein? Pourquoi vous ne lui dites pas? Hein? De tremper ses pieds. J'avais dit un an. J'ai même prolongé. Oui, la prescription, 2 ans. De tremper ses pieds. Pour les adoucir. Pour qu'elle puisse au moins faire 10 minutes avec les chaussures aux pieds. Est-ce que c'est compliqué? Je travaille, Nadine. C'est vous. Tandis que moi, je donne mes leçons. Oui, vous venez prendre Warus. Hein? Oui, pour vous partez faire vos trucs. Elle ne lit pas. Elle n'étudie pas. Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? La femme? Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'appelle justement parce que, tu sais, malgré tout, il faut savoir prendre la hauteur dans certaines situations. Tu sais que cette femme a toujours voulu ma descente. Non, Nadine, je vais venir manger ça, non, tu ignores quoi? Non, vas-y, la femme. Tu sais même que malgré tout, à un moment donné, Coco, si, à Bigo, malgré tout le mal qu'elle m'a voulu sans me connaître, à un moment donné, j'ai pris la hauteur et j'ai un peu essayé d'analyser un peu le problème de cette grande mère. Parce que c'est pas une petite fille, hein. Warrior, au moins 55 ans, comme tu la vois là. Je connais pas, mais. Elle a 60, elle a 68 ans. Elle a 68 ans. La femme, laisse le filtrer là. Elle a 68 voilà, ans. Moi, je pense pas qu'elle atteint. Moi, je pense que c'est 55. Hein. Non, 68. Je sais pas. Donc, c'est bon, pas bref. C'est évident de définir l'âge comme ça physiquement sans voir la personne. Mais, bon. Mais c'est que si elle est là à 50 ans, tu sais que tous les gars là, la majorité là, ont 50 ans, elle cache seulement. Elle veut toujours se rivaliser aux petits filles qui sont sur la toile. Les petites filles qui sont à l'église. Mais sinon, la majorité, là, tous sont là plus de 50 ans. Même quand celles qui appellent dans le direct, quand tu entends les voix, tu comprends que ce sont les voilà, elles ont les gars qui ont, bah oui, qui ont échappé à la mort plusieurs fois. Elles ont résisté et puis bon, par la force du hasard, elles sont toujours là. Et elles ne veulent pas comprendre que même dans la constitution, on prend la retraite. Tous les noms que tu cites là, tu viens de citer un nom là. Il y a un nom que tu viens de citer là. Oui. Tu as vu un nom là qui commandait à tout. Nadine Bella. C'est Nadine Bella. Oui. Voilà, tout ça, ce sont les grands, les gars, les gars, qui ont tourné dans tout à quoi pendant des années. Et tu sais, on ne le dit pas assez, hein. Toutes les prostituées qui ont vendu le piment au Cameroun. C'est la même chose qu'elles sont en train de faire ici en France. C'est la même chose. Les trucs qu'on dit que non, une prostituée peut se revendre par un mensonge. Big up. Il n'y a pas la repentance dans la prostitution. C'est la vérité. Il n'y a pas la repentance dans la prostitution. Moi, je dis la vérité. Il n'y a pas la repentance dans la prostitution. Et ce sont les femmes, en réalité, qui détestent Warien. Elles détestent ces femmes-là. Et ce sont elles qui sont en train de d'enfoncer cette femme-là. Voilà. Tu vois tout cela, je viens de dire que tu ne parles pas. Lui, les commentaires, lui, j'observe. Hein. Je ne parle pas, je ris, mais je comprends comment les Camerounais sont méchantes. Ils ont réussi à détruire cette grand-mère. Non, Nadine Bella, t'inquiète pas. Ils ont réussi à détruire cette grand-mère. Ah. Elle a gagné. Attends, je vais un peu lire. Je veux voir si elle est pas. Non. Parce que c'est vraiment le respect de la blonde. Non, que de ne pas la confondre. Nadine Bella, pourquoi il ne va pas, pourquoi il va pas dire ça? Parce que vous dérangez. Il a que des dix cas. Quand on vous insulte, vous dites oye, oye, oye. C'est ça le truc. Et obligé, tu vas parler le concept de l'église. C'est un concept. Ouais. Mia Ia, à fan fanpon. Non, tu vois, tout cela. À fan. Oui. Si moi je suis méchant dans Facebook, je suis dans Facebook là, je supporte l'injustice. Afin, même dans la vraie vie, je le fais. Voilà. Afin que je ne supporte pas l'injustice dans Facebook, après dans Inbox, je
viens de flatter que non, la femme, tu connais que c'est Facebook, non? Voilà. C'est ma femme, je suis en train de te tromper. La femme, je ne suis pas celle qui sait si moi, je si je te tiens ce genre de discours, comprends que ce type-ci, il n'est pas clair envers moi. C'est pour te dire que tout ce que tu vois dans Facebook, c'est grand-mère morte, ou elle démontre, dans la vraie vie, c'est la même chose. Tout cela, ce sont les prostituées. Tout cela, ce sont les prostituées qui, à un moment donné, ont cru que tu restes le parti. Mais qui sont arrivés. Ben oui, là, dans le platine, quoi. Ben oui. Même celle-là, c'est quoi, Bella, que tu parles là, elle me met quoi la peau. Elle me met quoi la peau. Et maintenant, elle profite maintenant pour régler leur compte. Elle se règle avant. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait, hein. Mais avant, il n'y a pas plus l'âge de prostituée. Hein. Elles se font des coups bas que tu ne peux pas imaginer. C'est que tu vois là. Elles n'ont pas de cœur. Elles se font ça dur. A femme. Attends, attends, un peu. Oui. Oui. Nadine. 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 Voilà. Maintenant, quand tu vas venir à l'église, viens pour toi. Viens te sauver. Quand il dit de venir, viens plaider ta part. Tu comprends? Laisse pour les autres. Nadine, c'est comme. Moi, je te dis tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tes trucs, la façon que j'ai réagi. Hein? C'est pour te faire comprendre que non, moi je ne peux pas te framponner comme tu me framponnes. Tu comprends, non? Voilà. Je te vois quand tu pars te débrouiller. Tu as, voilà, tac, 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 tac. Voilà. Mais, va souvent aussi dire là-bas, là, qu'à la femme, hein, tu sais, elle est venue partager le direct de la femme. Qui y crie? La femme, tu sais qu'elle a tué la mauvaise heure, qu'elle est venue à la prostituée. Mais, non, non, la femme, la femme. C'est parce qu'elle n'avait pas préparé le terrain. Il fallait d'abord qu'elle vienne tâter le terrain, mais elle est venue là, vap. Hein? Elle veut l'ouvrir. Mais mon ami, tu ignores quoi, femme? Moi-même, j'étais là, caïman, caïman. Caïman, caïman. Crève-toi. C'est un appel que j'attendais ici. Voilà. À femme, frappone, frappone, je te laisse. Frappone, frappone. J'écoute. Voilà, frappone, frappone. Moi, je vous fais une confidence, hein. Il n'y a pas plus lâche que prostituée. La femme, une pute, une pute, elle m'a promis la mort, non, la femme. La femme, la femme, la femme, tiens, il y a une bagarre, là. Lis les commentaires, hein. La femme, ce que tu engages, ce que tu engages, là. Si elle veut bloquer, vous voulez. Là, là. Si elle veut bloquer les commentaires, elle veut la bloquer, elle veut pas lire. Qui ça? Comment tu veux bloquer René Star? Elle pose la question que comment tu les framponnes. Tu as dit que. Est-ce que je les framponne? C'est toi. Le problème qui est là avec la femme. Avant. Il y a maintenant les niveaux. Oui. Je ne vais pas les mélanger. Je ne les mélange pas à femme. Hein? Il y a un niveau, non? Non. Est-ce que René Star. Non. Quand tu vois le contraste, c'est. Non, c'est ce que je voulais expliquer. Je voulais expliquer à René Star que. Va lire les commentaires de la femme chez Natacha de Monaco. Tu comprends, non? La femme. La femme dit que si tu es dans quelque chose, si tu es dans quelque chose, elle va frapponner, il va frapponner compresseur, qu'elle est zéro. Mais la personne qui fait la même chose que compresseur et qu'au moins sauve des vies, envoie les gens à l'école et que ça se respecte, tu comprends, non? Ça vient, ça oui, ça va venir te soutenir. La femme le même bien. Oui. La femme. Non, la femme. On va être riche avec ton image, tu comprends, non? Attendons encore 3 ans. Tu comprends, non? Il faut que, hein, que ça soit comme les locaux ici, là. Il y en a qui ont bas les locaux à 50 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut les 300 000. Il ne faut pas qu'on commande les chiffres de Dougoutigui. Les chiffres de Dougoutigui, c'est très costaud. Après, frappone, frappone. J'ai un mal au mandibule. Oui. Tu sais que entre ces prostituées là, oui. Il y a une rancune et une jalousie à part. Ben oui, non. Ben oui, non. Il y a une jalousie. Ben oui, non. C'est ça que tu parles doucement comme ça. C'est pour ça que le caïman, elle fait le petit niveau. Hein? Elle part en avec les Polonais qui sont arrivés ici au temps où elle dit qu'elle part nettoyer les fesses des grands-mères. Hein? Elle vend pour elle, mais c'est le petit niveau. Hein? Il y a les anciens, les Polonais, là, les maçons de Paris, là, hein? Ceux qui font de la peinture,
Hein? Tu connais le bar qu'elle était venue m'accueillir là, non? Ils sont là-bas, là, beaucoup, les Polonais, là. Hein? Qui sont arrivés au temps. Hein? Il y a des punks en bâtiment. Voilà ses clients. Elle vient insulter les autres femmes. Et l'on départ. On la gnasse avec les coups de départ. Hein? Est-ce qu'elle peut vous montrer un jour? Hein? Tu connais les livreurs là dans les anciens. Les anciens dans les quartiers. Tu sais que ces trucs-là, les anciens, c'est, ils viennent décharger là-bas. Là. Hein? Le gars, l'anga passe le temps à laisser les tondenga. Hein? Tu fais ça, je vais finir le travail de papy. N'importe quoi. Et c'est une gaka, elle fait quelque chose, mais tout le temps elle vient insulter les autres que vous faites ceci, vous faites, alors qu'elle fait ça. Et comme celle avec qui elle doit ça, ne peut pas venir parler. Elle n'a jamais vu une femme comme ça là. Quelle femme même, une kumgan. Et bi basamoko. De comment mon Facebook nous mélange beaucoup. Alors, le pasteur général 80 pouces. Et c'est. Il était dit. Mais j'ai dit ça non. Hein? À femme? Tu es parti en direct? Non, je suis en train de faire des manipulations sur mon ordinateur là. Et puis, non, tu as lancé le direct. Mon écran que tu connais là. Non, si tu lances le. Mon écran que tu connais là avant, je suis en train de faire les petites manipulations. Si tu lances le direct, moi je dis. Tu comprends? J'ai fini d'abord, j'ai fini de parler ce que vous voulez parler avant de couper ici. Ok. Mais maintenant, si vous voulez, vous venez à la petite église. Non, mais on va à la petite église, non? Ok, y'a bien, Gina. Fini, on finit ici, après on va à la petite église. Non, attends, je coupe pas le live d'abord. Non, qui ça? Tu coupes quel live? Mon live? Ok, bon. Ah, tu as bien lancé. Quand tu vas couper, on va revenir, on va venir à la petite église. Bon, enfin, je t'ai servi en train de vouloir démontrer dans ce que il disait que ce sont les femmes qui n'ont pas le cœur et. Comme tu entends le poison et tout là, c'est comme ça que ça peut. C'est comme ça qu'elle tue, elle s'empoisonne entre elles. Mais oui, non. Et à femme, mais tu toi. C'est la guerre. Bah oui. Bah oui. Et tu... Oui. Moi, je vais être un peu humain. Oui. Moi, honnêtement, comme on est en train de parler là, on est en train de perdre ou rien. Ce n'est pas la blague, là, je suis très sincère. Cette dame là. On est en train de la perdre, donc vraiment. Même Dougouti. Je ne sais pas quelle relation elle a avec sa famille ici à Paris, mais essayez de faire quelque chose. Même Dougouti. Si ils sont dans ce live. Même Dougouti. Essayez de faire quelque chose. Même Dougouti, on perd Dougouti. Oui, il a perdu le poids. C'est comme s'il a anémié. Oui, il a anémié. Il ne mange pas bien. Les moustiques. Il a anémié. Il ne consomme plus. Il ne consomme plus du lait. Il ne prend plus. Le gamin, il déjeune avec les baies de maïs. Il a dit, il déjeune avec les baies de maïs. À femme, on peut faire ça. Les millions là, Amel Kamel va. Elle n'a pas les bonnes relations avec ses filles, non. Mais je ne sais pas si elle a une famille proche ici à Paris. Il faut qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire pour cette femme-là. Papy dit qu'elle était bonne. Elle a gonflé. Hein. Papy dit ses filles ont gonflé, son ventre a gonflé ses joues. Elle n'a pas bonne mine pour moi. Papy dit qu'elle était dans à l'hôpital des fous. Papy dit qu'elle était à l'hôpital des fous là. La femme, tu te rends compte? Hein? Non, moi je sais pas. Marie Doté, big up. Moi je sais pas ce qu'on peut faire pour elle, mais. Moi quand je la vois, la femme, moi je pense à Wafra. On a perdu Wafra dans les mêmes conditions. Hein? On a perdu Wafra dans les mêmes conditions. On blaguait toujours, on riait. Après, on a trouvé. Mais la femme, quand elle te dit qu'on n'y a souvent rien, elle ne sait même pas qu'on la niasse. Les gens pensent que c'est la blague. Mais c'est vrai, non? Est-ce qu'elle vient là-bas, la femme? Mais papy a dit ça. Quand les parents disent que non, oh, à pas messager. Mais papy. On ne manque pas, on la niasse, elle ne sait pas qu'on la niasse. Mais papy a dit elle ça. Pentela, elle ne sait pas.
Non, la femme, est-ce qu'on la gnasse par le bas? Hein? On met dans la bouche, tu vois pas comme ça bouche là. Il dit qu'à la femme, Anouama, elle insulte ma mère, mes enfants. Hein? Ta mère a mangé les sous de Dokomamougou. Le morceau de Dokomamougou. Ta fille, hein? Ounga ze me te boanga. Hein? Elle n'a pas bonne mine, la femme. Elle n'a pas bonne mine, hein? Moi, j'ai dit la vérité. Elle n'a pas bonne mine. La femme, et Dougoutiri, on finit. Finis alors pour Dougoutiri. Après toi, on va dans ton direct. Tu vois? Bon, pour Dougoutiri, qu'est-ce qu'on peut faire pour Dougoutiri? Tu as vu mon commentaire à la rue Dougoutiri fou là-bas? Voilà. Il a perdu le réseau dans son direct. Voilà. Pour lui, il est déjà démasqué. Voilà. Bon, maintenant, il faut qu'on sauve Madame Guylaine Chapuy parce que Madame Guylaine Chapuy est tombée bas. Et Madame Guylaine Chapuy même va s'excuser ici là en Facebook. Elle va s'excuser en public. Mm-hmm. Parce que Madame Guylaine Chapuy a perdu sa crédibilité. Voilà. Madame Guylaine Chapuy. Et tu sais que Mafo avait dit je fabrique et je défabrique. Regarde très bien les directs. Regarde très bien. Voilà. Mafo. Hein. Voilà. Regarde même le direct de Dougoutiri aujourd'hui. Il avait combien de personnes? Ça veut dire s'il ne tient, pas les discours, là où il parle des problèmes des gens là, tu ne vois personne. Et quand tu vois au niveau de la des réactions, remarque toujours très bien que ce ne sont pas ces vrais abonnés qui réagissent. Est-ce que tu comprends? Non, j'ai remarqué ça. Mais à femme, quand elle te dit, va regarder. Tu comprends? Là, je vais finir mon direct. Les qui réagissent, c'est d'abord mes gens qui m'aiment, qui sont à l'église. Hein? Quand c'est des gens qui viennent ailleurs, qui viennent réagir parce que tu framponnes Amout, parce que tu framponnes tel. Mais mon ami, tu comprends? Je n'appelle pas sa visibilité. Ok? Il faut déjà que ta visibilité. Je suis avec mes gens ici. Je suis content de lire mes gens. Hein? Afin, n'est-ce pas, j'ai dit que la pandémie nous avait mis KO, non? Hein? Même nos amis. Hein? En vrai, qu'on se voit tous les jours, la pandémie a cassé ça. Voici mes amis ici, non? Voici ma famille et tout. Hein? C'est ça. Hein? On dit qu'on est jaloux, Jaloux de quoi? N'importe quoi. Non, quelle jalousie, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. La femme. C'est n'importe quoi. La femme, quand on repousse à mes caméras, quelque chose, hein? Il essaye un peu de vouloir se justifier en disant aux gens que n'enviez pas les autres. Si les autres déjeunent avec le Nutella, hein, consommer les blés de maïs, c'est quel discours ça? Enfin, on travaille pour faire quoi? On travaille pour faire quoi? Pour vivre comme ça là? Hein? Il dit qu'il garde son argent au champ. Donc tous ces millions là, c'est là-bas au champ. N'importe quoi. Moi, je n'aime pas les menteurs. Je n'aime pas. Tu sais, tu peux mentir. Tu peux mentir à femme, tu comprends, non? Tu peux mentir, mais fais tes trucs dans ton coin. Ne viens pas dire que tu dépasses les autres sont jaloux. Et, tu sais, Amé, je te mens pas. Il ne ressemble jamais à un, ça dit à un bengueter. Je te mens pas. Même le truc là. Quand on dit, quand je vois les gens de Paris, tu comprends, non? Mais beaucoup sont comme ça à Paris, hein, femme. Le Paris que vous avez manqué là tout à l'heure, là. Mais à femme, il faut voir. Mais à femme, je ne suis même pas encore en direct. Il y a 5 personnes et dit que Facebook si. Non! Bon, c'est le week-end. À femme, j'arrête alors ça. Je suis dans ton live, mais les gens sont déjà là. Les vidéos sont là. Coco, si y a big up. La femme, allons à la petite église. Allons à la petite église. Big up. Allons à la petite église. Merci. Big up.